Welcome to SB News, people. Like, share. I'm on the street Alright, bon, on est back. SB News. Aujourd'hui, on notre guest favori. Ceux qui nous écoutent savent de qui je parle. W uh, tout le monde fait, fait euh, une belle... Euh, une bienvenue, salut à Jalil. What's up, what's up? What's up, dog? Hey, what's up? Ben, Je suis content d'être ici. Je sais qu'on va avoir un blast, as always. C'est tout le temps un plaisir. Puis merci pour l'invitation, comme, comme toujours. Exact. On est là largement le quatuor original là. <laughs> euh, euh, notre notre cause, misogod, a dû prendre une pause. On est avec le trio Fenty, Kaza, you know what time it is. Aujourd'hui, euh, pour ceux qui regardent le sport sérieusement, qui écoutent les nouvelles, même si tu n'écoutes si pas le, le sport, tu sais que présentement la NFL a explosé. The NFL est still king. Est <laughs> still king, ça l'a explosé. Donc, euh, on va faire un segment vite-vite de la NBA. Puis après, on va aller à la NFL pour le reste de l'épisode. De, de oh. Il y aura un petit update de la Champions League avec Spenty. Puis un petit update NHL, parce que je sais que Jalil, euh, même s'il si n'est il est, il est, il est pas à Montréal, il suit ça de près parce que c'est un gars de Montréal dans le cœur. On va dire que Jalil aussi est à l'école à Toronto. Il euh, y a, a l'autre côté du fanbase qu'on veut pas ouais. euh, The other side of the coin. On, on a des bons takes aussi, des, des, des fans de Toronto. So, et la raison pourquoi mon mic n'est pas accroché, c'est parce que euh, mon mic pique le son de Jalil, euh, ben, pique ma voix. Ça veut que je, je passe ça, ça. Et euh, les deux chiens sont avec nous aujourd'hui. So, il y a des moments que les chiens vont venir sauter sur nous. So be ready guys, ils yeah. vont pas sauter sur nous. C'est une grosse épisode, ça fait être une, une gros, grosse ça épisode. Ça soit un petit peu gosse. ça. <laughs> okay. Hectique. All right guys, all right NBA, NBA, NBA. Euh, Est-ce que nous pouvons pas finalement dire que Ben Simmons est le pire joueur de la NBA Et je veux commencer avec Kaza parce que je sais que Kaza connaît tous les les pires joueurs de la NBA. Euh, durant les 20 et 30 dernières années. So Kaza, talk first. Vas-y, France est un reach. Ben Simmons est pas. Bon, oh, pardon. Ok, je crois que c'est Ben Simmons, comme ça fait longtemps qu'il y a ce titre-là d'être le pire All-Star de la NBA. Approche-toi un peu. Approche-toi un peu de la caméra. Ok, <laughs> ouais, c'est okay, bon. Euh finesseux. Tout le monde le sait. Tout le monde qui suit la NBA sait que ce gars-là veut se faire payer, mais ne veut pas jouer. Donc, encore une fois, pour ceux qui ne savent pas la nouvelle, il va manquer le reste de la saison. Il a joué jouer, quoi. 50 games durant les trois dernières saisons. Ben Simmons, hang your sneakers. Est... Euh, il est dans le, la même situation que Lonzo Ball. Sauf que Lonzo Ball est vraiment blessé, lui. Donc, c'est le pire jour de la NBA. Effectivement. Parfait. 20. Je ne vais pas dire que c'est le pire joueur de la NBA, mais je veux dire, comme Freeman a dit, c'est le biggest finisseur de la NBA. Euh, je ne vois pas Ben Simmons avoir un contrat après cette saison-là, après que son contrat soit fini. C'est pour lui. Il ne sert à rien. Il ne sert absolument à rien. Jalil? C'est pas le pire joueur de la NBA, parce que pour être le pire joueur, il faut que tu joues. Ça dit dans le non joueur jouer. Quand, quand, quand vous dites que le gars c'est le meilleur finesse, c'est vraiment ça. C'est the best. Puis le gars, je pense qu'il a joué quelque chose comme une saison au complet maintenant, comme quelque chose comme 60 matchs de moins que LeBron James dans les quatre dernières saisons. Puis l'autre qui a comme 39 ans. So, il n'y a juste aucune excuse. Donc pour moi, non pour moi, t'as raison. C'est le plus gros finesseux, le plus gros joueur de la NBA. Moi, je pense que c'est sa dernière année à la NBA. Euh, je m'en fous de qu ce que les gens vont dire. Je m'en fous des gens qui croient en lui. C'est terminé là. Euh, ben Simmons needs to go home. Et je ne peux jamais toucher un terrain de basket, même en Europe. <laughs> <laughs> Peut-être qu'il va aller finesse en Europe. On ne sait pas. Mais ici, dans la NBA, mon gars, c'est done. C'est done and done. tiens à préciser, big waste potential. Parce oui, que le gars avait le talent. Donc, genre, oui. Quand je voyais, genre, regardais jouer plus jeune, je suis comme, je dis, oh, dude, The sky is the limit for this guy. Absolument. Mais il ne voulait juste pas. Le, Done, bro. le gars avait le size le gars avait tout il avait le size il avait le speed c'était un point de guard. il avait pas le shooting great vision yeah anyway so on est tous d'accord he's out of the league mm -hmm. second question Alfrey Sengen s'est blessé contre les Kings est-ce qu'il devrait revenir durant les playoffs s'ils font les playoffs ou oublier le reste de la saison et se concentrer pour l'année prochaine Jalil tu peux commencer euh, pour moi, c'est tout le temps simple, ces, ces, ces questions-là. C'est tout le temps, surtout si tu sais que c'est comme franchise, borderline franchise players dans tes top joueurs. Mm -hmm. Rest him. Rest him. Future, uh, future, là, ça revient à la conversation de Joe Burrow qu'on avait eu la dernière fois. C'est, ça sert à rien. Tu, 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 tu risques, si, si, le gars, il re rebondit, il va devenir Anthony Davis puis il va se blesser, euh, 18 fois pour le restant de sa carrière. Laisse-le heal une fois et heal à 100, 110% puis que ça ne redevient pas une recurring injury. Puis les Kings sont tellement une jeune équipe. Le future est à l'avant d'eux. C'est pas c'est pas cette année, ils son, sont one or two year away still. Euh, mo moi, ça veut dire un ou deux. <laughs> c'est un reach. C'est un reach. Mais, <laughs> je sais pas ce que tu veux dire. Parce que si tu prends euh, le coach euh, Uduka, Uduka, je vais pas me citer son nom, euh, oui, en effet, avec son expérience, avec ce qu'il y a avec les Certics, tu peux y croire. Tu peux croire que dans un ou deux ans, ils peuvent se rendre loin. Donc, ce serait une bonne décision de le, de le rester. D'accord avec toi, je suis pas fou là. Le gars, il y a une, une grosse blessure au genou, si je ne me trompe pas. Sérieux, vaut mieux le reste Mais je dois, je dois toujours croire aux Rockets de quand même essayer d'aller plus loin que possible. Pour montrer, donner un effort pour montrer que la ville a un, un certain potentiel, un potentiel, winning mentality. Euh, non. Si c'est vraiment très sérieux comme vous dites, euh, sit out singoon, ça sert à rien. Euh, tu vas faire quoi? Peut-être gagner une playoff run au meilleur. Donc, so, ça sert à rien de le de, de comeback too quick. C'est ton, ton franchise player à date. Comme, à date, tu pas meilleur que Sengun dans ton team. Donc, so, ça sert à rien de le push too much. Euh, tu peux le perdre pour absolument aucune crise de raison si tu le fais faire comeback too quick. Donc, so, non, tu gardes Sengun off, off the bench, the bench, juste on the IR. Euh, Je penserais même tank pour avoir possiblement un bon draft. Puis, that's it, man. Tu recommences l'année prochaine. Non, il devrait pas revenir pour euh, cette saison-là. De toute façon, les Houston Gets out of the play-in. Pas les playoffs, les play-in. Donc, revenir pour potentiellement se reblesser de manière plus sérieuse, alors tu ne n'as même pas aller loin, pas rien. Par conséquent, Shunim Down, je ne sais pas combien de temps sa ré réhabilitation, j'ai que ça être combien Je peux checker en attendant de... Faites-le revenir la saison prochaine ou si c'est nécessaire dans deux saisons. Deux saisons. C'est nécessaire. Parce que je veux pas que la même chose qui qu arrivait à Derrick Rose lui arrive. Il y a une chose avec les blessures aux genoux avec la NBA tu peux pas fuck around avec ça. Tu peux pas fuck around. Les, les genoux, c'est ta carrière dans la NBA, littéralement d'accord avec ça. C'est un, un sprain ankle, c'est pas un genou. C'est un sprain ankle, un ankle. mais c'est un like grade 3 sprain ankle. Moi, sprain ankle, Ooh. je suis pas un fan des sprain ankle, for real. Je trouve que c'est de la bullshit, mais gars, it is what it is. Le gars, il a sprain son ankle, puis out for the remainder of the season. Yeah, but grade 3, man, ça, c'est un pamplemousse que t'as dans le cheveu. Yeah, c'est ça, c'est ça. 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 I, I understand, <laughs> mais je me suis sprain ankle multiple times, puis... It ain't no joke sur, sur le moment, mais c'est pas un rest of the season. cest un great treat, toi aussi, Frank? J'ai jamais été euh, évalué par un docteur pour un sprint à <laughs> bon. All right, next question. Quelle équipe dans l'Est et les Magics, Orlando Magics, pourraient offset en série éliminatoire? Pourquoi je dis ça? Parce que aucune, présentement, aucun médias de sport. Zéro parle, à ah part peut-être la Ville d'Olando parle des Magic. Je pense même qui ne respectent pas les Magic Parce que les gars sont 6e euh, sixième, cinquième, cinquième dans l'Est. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ils jouent bien. Ils ont du size. Ils ont des gars qui marquent les trois points. Ils ont du monde qui prend, prend des rebonds offensivement et défensivement. Les gars font ce qu'ils ont à faire. Ils ont même... Dans leur, dans leur roster, si, si les prochaines années se passent bien, ils ont au moins un top 3 euh, euh, pas Superstar, mais All-Star players. Benchero, wa euh, Wanya, les Wanya Brothers, et puis... Magnus. Magnus, les Magnus. Et puis, un joueur, j'oublie son nom. Bref, ils ont, des, ils ont euh, un bon roster. Donc, so, la question, c'est qui dans l'Est, ils peuvent upset? Kaza. C'est Suggs, le gars que... Ah, Suggs. Merci, Suggs. Kaza. Euh, comme j'avais dit à, la semaine passée, à l'épisode, je pense qu'ils peuvent upset les Boston Celtics. Et euh, Indiana Pacers. Et je vais être sûr avec Jalil parce que je sais que Jalil, Celtics, c'est sa team. <laughs> c'est pas ma team. C'est pas ma team. Écoute, je, je, je suis loin d'être un Celtics fan, mais je suis réaliste. Mes oui, yeux me okay, disent que l'équipe okay. qu est différente. Qu'est-ce que tu penses <laughs> du Tig de Kaza qui vont upset les Celtics Aucune chance. Aucune chance qu'ils upset. Les, 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 les Celtics, c'est l'équipe la, la mieux bâtie de la NBA avec les Denver Nuggets.

Ok, fait, tu, peux, tu peux dire ça, mais je pense pas qu'on a la même définition de choker parce que pour moi, perdre dans la NBA Finals ou en Eastern Conference Finals, c'est pas un choke. Comment t'appelles ça? J'appelle ça perdre. <laughs> Contre une meilleure équipe, ça, ça arrive. Oui, mais de manière récurrente, comme ils font, toujours proche du but, je trouve que c'est du choking job. Ré Récurrente. C'est une puis, équipe avec l'Average de, de 28 ans. C'est encore une jeune je, équipe. Je, je dis la même chose pour euh, toutes les années où LeBron James allait en finals et a perdu. Pas. Six finals de c'est du choking. C'est quand qu'il a eu son premier title, LeBron James À quel âge euh, Je pense qu'il avait 28 ans avec Miami en 2012. Contre okay. Jason Tatum est like still 26. Et puis il avait perdu deux fois avant. S'il avait perdu cette fois-là, ça aurait été encore un choke job. Comme, comme, comme honnêtement, moi je vais pas blâmer les Celtics pour perdre en, en NBA Finals. Puis c'était conquis, c'était contre Denver justement, right? Quand, quand exemple. Denver, pour moi, était de loin la meilleure équipe de la planète. Puis ils avaient le meilleur duo de la planète en that pace, ces, playoffs-là. Non, j'aime beaucoup les Celtics. J'ai encore Denver en tant que favorites dans la NBA overall. Mais pour moi, les Celtics c'est clairement les favorites bien. dans l'Est pour répondre à la question du, du, euh, de, 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 de Magic's. Euh, donc, on, on considère qu'aucune équipe en, en dessous d'eux. Ça serait, il faut que ce soit une équipe en, en attends, dessous d'eux. Right? Jalil, ils, peuvent, ils, peuvent, ils, ils, ils peuvent upset les Knicks et okay. ils peuvent upset les Bucks. OK, c'est bon. J Jalil, donne-moi deux secondes. Laurent, yeah. qui tu mets favori présentement dans l'NBA pour gagner le chip? Sincèrement. Sincèrement? Si c'est pas Denver ou les Celtics. Sincèrement? Oui. Denver Wolves, Celtics. <laughs> C cat, is est cat, cat is out! Les le, cat le Cats peuvent se rendre en finale. Je ne sais pas s'ils vont gagner. Cat is out for the season, man! C'est Ou Hitman Show! Non, non. non C'est des non, 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 Show! J'adore Hitman, Hitman, mais il faut un petit peu oh, de support. Il faut un comment petit peu de lui. Ah, on a écouté l'NBA. Il t'as besoin de deux bonafide, deux bonafide stars pour gagner un titre. Plus plus minimum deux. Mike Merci. Comley is doing the job, Dis guys. Please. Mike Comley okay. is doing okay. the job, guys. On, on Le... va revenir à la question. Ouais, on va, va revenir, à, à la question. <laughs> ok, so the, so Jalil euh, a dit qu'ils peuvent battre les, répète, les, juste les, ah, les, les, les Knicks, les Knicks, les Knicks et les, les box. box. Parfait. Puis même les Cavs. Après moi, même les Celtics, c'est la seule équipe des Magic peut pas upset. Mais je suis pas en train de dire qu'ils sont Yeah, les Knicks sont meilleurs. Les Cavs, on parle d'un upset. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est un upset. Exactement. Puis je prendrais ces quatre équipes-là over les Magic, anyways. Mais s'il fallait je mette mon argent, ça serait Box ou Knicks. Yeah. Je pense que les Cavs pourraient être sneak over sans problème. Moi, euh, sincèrement, je, je regarde la liste encore. Moi, sincèrement, les Box assez facilement. Yeah. Assez facilement parce que le duo n'est pas encore set. Le duo, le duo, les Lewis, oh les duos, uh, uh, Janice n'est pas set du tout. So oh on no. t'a ça, real quick. Um, les Knicks aussi um, et puis Cavaliers donc il va donner du trouble parce qu'ils ont beaucoup de 16 aussi donc ouais euh, même chose que toi Box et Knicks A Frank oh Frank Frank est déçu! oh my god les <laughs> gars <God>, man oh <laughs> ok premièrement Magic punch -Bankero est et un stud mais pour l'instant il n'est pas assez pour battre Celtics les Box les Cavaliers et Lord knows, si NB revient pour les playoff finals les les Donc so, les quatre teams que les Magic peuvent pas battre, c'est les Celtics, les Bucks, les Cavs et les Sixers. That's it, that's all. Les Magic peuvent battre n'importe qui d'autre dans les playoffs dans l'Est. Je suis d'accord mais mais le, le comme la question, c'est ça, c si on veut répondre vraiment à la question, c'est qui auront les meilleures odds d'upset On peut dire qu'ils vont faire l'upset C'est qui qu'on le match, tu dois être rank c'est-tu vraiment un upset si je dis les Cavaliers? Oui. oui. C'est ca... les seuls, les Cavaliers. C'est bon. All right. All right. Attends, ben, les sexeuses, si NBD n'est pas là. Mais c'est pas un upset si NBD n'est pas là. Mais non, si NBD n'est pas là, c'est pas un upset, c'est ça. Ouais, NBD n'est pas là, c'est sûr. So that's it. C'est les Cavaliers. All right. Prédiction plus bête. Ça, c'est le nouveau segment Jalilbe qui t'a écouté récemment, qu'on met toujours les bêtes à la fin de nos prédictions parce que j'ai sais que les gens aimaient ça. Ils nous écoutent pour des bêtes plus que d'autres choses. Come on, guys. On le aussi. Mais... <laughs> Sports betting run this world, man. Yeah. On, va, on va continuer avec les bettings, mais il faut... faudrait que je réécoute chaque épisode pour faire une liste des bets qu'on fait. Il faudrait qu'on écrit les bets qu'on fait pour voir si on les a right or wrong. Yeah. Ouais, mais on, ça, tra on va travailler va... un travailler le plus intéressant. On va travailler là-dessus l'année prochaine. C'est sûr, que la prochaine faut, saison, faut pas... va Il faut qu'on on show à la planète de ne pas écouter Laurent, parce qu'on ne veut pas que la planète entière leur paire de l'argent. <laughs> it. it. All right. All uh, right. Première game. Suns versus Celtics. 14 mars. On parle des Celtics. Sur Jalil, you go first. Avec un bet. Celtics. Avec un bet. Mm -hmm. uh, moi, je bet sur Celtics sans. Moneyline. Moneyline. Moneyline, <laughs> hein? Money Je m'en fous là. Right. 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 Pour moi, les, les Celtics gagnent cette game. Genre, j'ai même pas besoin de savoir c'est qui, qui combien de points ils donnent aux Suns. Euh, les Celtics gagnent cette game. Les Celtics sont out of this world. Il y a, il y a une game une fois de temps en temps qui, qui sont un letdown, mais c'est une mm -hmm. saison de 82 games. Yeah. Puis les Suns, les Suns, c'est comme. Ouais, c'est ridicule. Ouais. Donc, <laughs> moi aussi je vais aller avec les Celtics. Euh, je vais aller avec... Euh... Euh, hmm, Bobby Portis <laughs> Plus de 7 rebonds. <laughs> On t'a dit plus de oh Ok, tu, tu un peu de stats aussi Si tu veux que un peu de stats, je te dis Jason Tatum score, score over 25. Ok, c'est bon. Easy, easy bet. Si. Euh, je prends les Celtics. Je prends un blowout win des Celtics. Euh, puis je prends un KD under 25 parce que ça va tellement être un blowout qu'ils vont les citer. Ooh, big take. Kaza. Je vais prendre le Boston Celtics aussi. Avec un euh, double-double de la part de Devin Booker. Right. Ok, c'est bon. c'est bon ouais, Point et assist. Bon shout. Next game: Box versus 76ers. Je vais là en premier. Je vais là avec Box. Logique, là. On va là avec Box. Um, Janice, double-double. Spenty. Euh, Box. Évidemment, parce que Kyrie et Janice are a good team. L'élève, my ban. My bad, my bad, my bad. Relax, relax. Puis je prends Paris Maxi 30 piece. Je vais aller avec Milwaukee, moi aussi. Et puis 20 points de la part de. Dalil? Euh, je vais avec Milwaukee, puis Janice over 30. Parfait. Next game, Mavs versus Thunder. Kaza? bien sûr aller avec les Dallas Mavericks, uh, Luka Doncic un uh, triple double, Kyrie Irving un double double je vais aller avec les Thunder, Shay, Shay everybody, oh. je vais aller avec un uh, 30 piece de ce game là, 30 piece 20? my god tu me put on the spot comme ça uh. Kyrie Doncic, bro, I can't, I, je peux pas bet contre Kyrie et Doncic. Yo, c'est le, le moment où ce que les deux doivent s'activer. C'est un play of push entre Kyrie et Doncich. That, that's what's up. That's right, what's up. En plus, Doncic est sur un streak de triple double. Ça fait genre 7 games de suite ou 8 games de suite qu'il est sur un triple double streak. Triple double uh, Doncic. Jalil, talk some sense into them. Euh, je vais changer mon, mon bet parce que je m'en allais un petit peu... Moi aussi, je m'en allais avec un triple-double de Doncic. Fait que Juste pour dire aux, aux autres téléspectateurs ou tout le monde qui écoute, les, les, les deux, je pense qu'ils ont raison là-dessus. Mais j'ai OKC winning. Thank you. Puis mon autre bet, je vais prendre Shea, both Shea and Doncic over 30. That's Chit. a good Chit. bet. That's a Chit. good, good bet. All right. la guys, on Chou commence support. la NFL. Comme je... Yoko, comme j'avais dit, la NFL, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Pour moi, c'est une première. Pour moi, là, euh, peut-être c'est arrivé dans les années avant que je n'écoutais pas le sport comme ça, mais je n'ai jamais vu autant de reports, de changements, de coupures, de release, en, en, même pas trois semaines, quatre semaines avant la, euh, depuis la fin de la NFL. Incroyable qu ce qui se passe. Donc, mais avant d'aller là-dessus, by the way, il y a, il y a eu des, des deux nouveaux, deux nouveaux qui sont arrivés euh, quelques heures avant qu'on ait commencé le podcast. Michael Thomas. Euh, Bobby Wagner puis Kevin Ridley. Wow. J'aime pas pas ça de je les. Sais, mettre. Je sais, je sais, tu les as sûrement pas vus. Je vais les mettre tantôt. On va, on va en parler tantôt. Mais avant d'aller dans tout ce juicy part de la, des updates, il y a les drafts qui se passent avec la NFL. Puis of course, on va parler des QB. J'allais, c'est un professionnel. Dans, dans le monde du sport news, <laughs> c'est il professionnel. Et... Pas encore professionnel, il n'est pas encore gradué. Non, il dit, non, pas non, non, pas non, je vais, il il l a... L a... Il... Je vais lui donner son title ouais, quand ouais, il va ouais. être là. Fais moi pas rougir là, Laurent. Là. <laughs> Et puis, il a pris le temps de faire ses devoirs, il a pris le temps de faire toute son analyse concernant les prochains QB euh, qui s'en viennent au draft. Il est mieux de me dire que Caleb Wilson, ce n'est pas le meilleur. Moi aussi, il va me dire ça. Il est mieux de me dire ça. Mais on, on va y aller <laughs> Si jamais vous avez des choses à dire contre Jalil, le moi, je vous passe le micro. Euh, sinon, Jalil, the floor, is our, the, floor is yours, sorry, the floor is yours. Et puis, qui est, est qui le meilleur prospect QB? Qui va nous choquer? Qui est la plus grosse déception? On t'écoute. Dans le fond, euh, ben pour donner une petite idée à comment je fais ça, euh, pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans, ben, j'étudie dans Sport et Média. On fait un Sport Center Show. Ça m'a permis d'avoir plusieurs matchs. De, de, de la majorité des QB dans NCAA. Je les ai toutes record. J'ai regardé le plus de tape possible. Puis c'est vraiment... J'essaie de pas... C'est sûr que je me fais influencer par d'autres, ce que je vois à la télé, ce que je vois... Je vais me faire influencer un petit peu par d'autres scouts, mais j'essaie vraiment de garder ça avec ce que moi, j'ai vu. Mm -hmm. euh, puis ici aussi, présentement, là, je, là, je les rank... Euh, j'ai fait... Dans le fond, je les ai séparés en tiers. Donc, tier 1, tier 2, parce qu'il y a certains QB qui sont pas mal dans le même tier puis ça, ça va être pas mal ça. Puis après chaque QB, ben, c'est ça, je vous laisse poser des questions si jamais vous voulez en parler. Tier 1, on n'a pas besoin d'en parler longtemps, Kelly Williams. Arrête. He's the real deal. He's the real deal. Yes, Tier 1. Moi, comme game manager, je ne rate pas encore Kelly Williams. On l'a vu à multiples fois comment il a été trash cette année. On va continuer avec le TKJ. je vais dire ce que moi j'ai vu justement. Moi, moi, je regarde regarde, Quand je te parle de ses attributs, The Man got everything. Il est assez gros. Il y a, a, a une magnifique mécanique. Sa mécanique est parfaite. Il a la plus belle balle du draft, sans aucun doute. Euh, son accuracy through the roof, through 30 touchdowns, 5 interceptions. La plus gros, le plus gros knack que j'ai sur lui de cette année, c'est probablement le fait qu'il a pris 33 sacs. C'est beaucoup de sacs. C'est ça que j'ai compté. Merci. Euh, mais en même temps, la façon dont je regarde les games, je pourrais facilement dire aussi qu'il se sentait forcé de prendre ces sacs-là. Écoute, on va se dire les vraies affaires. USC là, ils n'ont pas un joueur offensif dans cette attaque-là qui va faire les top 3 rounds cette année dans le draft. Donc, le, le gars, le gars fallait il fallait qu'il carry l'équipe sur son back. Le gars, il savait très bien qu'il fallait qu'il score 40 to 50 or he would lose the game. Fait mm -hmm. qu'en même temps, je prends ça en considération sur le fait que c'est pour ça qu'il de la balle. Est-ce que ça se peut que c'est pas pour ça qu'il est juste un gars who holds the ball a lot? Ça se peut. Mais je vais le défendre là-dessus, sur ça. Euh, c'est un, un athlète incroyable. Il run, run out the pocket... Euh, euh, tout ce qui est unscripted, à la Russell Wilson, un petit peu, Patrick Mahomes, il l'a. Le side arm, arm talent, il Et l'a. La majorité de ses sacs, c'est quand il a scramble, d'où. Oui, effectivement. C'est pour ça que je veux comme... C'est là qu'on peut dire aussi il essaie encore d'en faire trop. À un point, if you scramble, just go take your five, ten yards. But that's he knows he needs that big play. Or throw it away. You throw it away. There you go. Le coaching va être très important pour lui. Puis c'est ça. J'ai deux autres critiques, cons. 90% de ses, ses snaps est en shotgun. Ça, ça peut être inquiétant de voir comment c'est différent. Pour ceux qui ne savent pas, là, être under, under center puis être en shotgun, c'est complètement différent. Under-center, il faut que tu attrapes la balle, il faut que tu fasses tes steps, puis après ça, tu fais tes lectures. C'est beaucoup plus technique que juste être en shotgun, puis tu vois déjà tout le terrain. La, la, ça, ça m'inquiète un peu. La, puis la, la dernière inquiétude, il sont capables de faire la transition under-center, puis shotgun. Il y a beaucoup de QB qui étaient un, qui étaient shotgun NCA, puis qui sont devenus under-center, QB, NFL. Oui c'est pas une tradition c'est pas une transition qui est pas capable d'être faite anyways continue oh non c'est ça je suis convaincu qu'il va pouvoir le faire je suis convaincu qu'il va pouvoir le faire mais c'est pour dire que tu sais c'est pas c'est c'est quand même pas parfait puis c'est quand même une inquiétude Il qu'il faut que le coaching y mette dedans puis c'est pour ça que la dernière inquiétude que j'ai de lui tu sais il est pas complètement parfait ça n'existe pas un QB qui sort parfaitement du draft. il va sortir joueur par les bears ça c'est inquiétant ça c'est extrêmement inquiétant c'est la fin de sa carrière attends c'est pour ça j coup 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 que je tiens à préciser que c'est le number one pick, mais qu'en même temps, pour les QB, pour ceux qui ne savent pas, c'est énorme où tu te fais draft. Donc, il va être le, est le plus grand talent de ce draft-là. Mais, tu sais, en même temps, s'il se draft par, je sais pas, moi, il se ferait draft par Green Bay, je serais pas mal moins inquiet. Exactement. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Sur, sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Parce que, qu'est-ce qu'il nous a montré sa dernière année à USC? C'est exactement qu'est-ce qu'on va voir quand il va être dans la NFL avec les Bears. Il va avoir beaucoup bien. de défaites. Il va avoir beaucoup de turnovers. Puis son Prima Donna attitude qu'il y a eu à USC la dernière année, ça va être la même Prima Donna attitude qu'il va avoir avec les Bears l'année prochaine. C'est la seule et unique raison pourquoi j'aime pas le pic de Caleb Williams. C'est que. Il va... Il va pas... C'est pas un team player. C'est pas un. un... Comme c'est un me, myself, and I player. Tu le vois. Tu Comme... peux pas pleurer sur le sideline parce que tu as perdu USC. Tu vas... tu vas pleurer toutes les semaines avec les Bears. Yeah, non, non, Bears je suis d'accord. C'est quelque chose que je n'essaie pas tu sais, comme l'aspect diva. J'allais une question que Kaza euh, qu a posée, est-ce que les Bears ont une bonne online? Non. Alors ils vont se faire non. sac aussi à Bears quand il va se faire draft. Oui. Ils, ont perdu, ils viennent de perdre Darnell Mooney aussi. Ouais. Et c'est bon. Je euh, suis extrêmement inquiet pour le kid. Mm -hmm. Puis a amène un excellent point de Diva. J'essaie de ne pas trop le mettre dans mon scouting parce que comme je dis que j'essaie de rester sur le tape vraiment. Euh, mais oui, j'ai entendu beaucoup d'affaires de diva, de rumeurs, il n'y a pas d'agent. D'habitude, quand ta famille est ton agent, c'est parce que tu essaies de garder ton cercle euh, close. Tu c'est ça. Fait que pis autre critique a joué dans le pack 12. C'est pas la division nécessairement la plus élite. Euh, fait que j'ai mes inquiétudes. Contrairement à d'autres scouts qui voient que lui, c'est le, le plus gros prospect, c'est Spaten manning pis tout, pas prêt à aller là. Mais en même temps, gars, les bears, faut qu'ils draftent un QB. Mais quand tu es les Bears, tu t'en fous, fous de dire, ah oh, ben, on va pas le draft parce que je pense qu'il sera pas bon avec nous. Non, tu prends le best QB et es, tu es espères le développer. Sauf so, tu take Caleb Williams. Parce qu'à pas... la fin, je peux te que tous les autres QB que j'ai dans ma liste, ils se font draft par les Bears, l'inquiétude double. C'est oui, ça mon point de vue. Oui, mais encore une fois, les Bears auraient dû draft des wide. Les Bears sont far, oh, far. Ah ouais, mais ça, c'était avant. Comment? Ouais, là, il est trop tard, là. Ouais, ouais trop tard, exact, il est trop tard, il est trop tard, exact. Là, le, ton need, ton need, Donc, est, euh, Moi, moi je l'avais dit, j'avais dit, si je suis pas avec le William, je veux pas que mon fils aille là. Ils ont décidé d'être corrects, il va aller là. On va voir, ça va être quoi. Mais en même temps, pour ce qui est, par exemple, l'organisation m'inquiète, oui, oui, oui. mais en même temps, une autre inquiétude à Chicago d'habitude, c'est qu'il fait froid, oui. beaucoup de vent, tout ça. Aucune inquiétude pour ça. Big hand, strong arm, il euh, y aura aucun problème de couper la, la balle dans le vent. Exact. Ça, je suis pas inquiet. je suis d'accord avec toi aussi, mais moi, moi, le. L'attitude d'un joueur, puis la manière qu'un joueur agit envers ses teammates, c'est quelque chose de vraiment trop important pour moi. Euh, J'ai jamais, ai jamais aimé des joueurs comme ça, que c'est « me, myself and I ». Un gars comme Caleb Williams, not only ça va te setback back 3-4 ans parce que tu vas essayer de ride or die avec ton first round pick, mais les Bears ne savent pas signer des joueurs en euh, free agency. Ils ne peuvent pas aller rien chercher parce que personne ne va aller jouer à Chicago, bro. C'est triste, mais c'est vrai parce que bro, il fait froid quasiment toute l'année longue à Chicago pendant yep. la saison. C'est un, un « tough place to play », les fans sont super tough avec toi. Don't get me wrong, les the Bears, they're gonna be last in the NFL for a very long time. It ben, moi, le pire, c'est que c'est pas le free agency qui m'inquiète. C'est vraiment l'historique des Bears. Ils n'ont jamais su développer un QB en 100 ans d'existence. C'est ça qui m'inquiète. Tu regardes cool. les organisations, tout le monde a leur certaine. Cool. Les Ravens sont reconnus pour defense. Chicago aussi. Tu vois, Packers sont reconnus pour développer tout le temps des QB. Plusieurs équipes ont déjà une identité de 40, 50 ans dans leur histoire. Les Bears n'ont jamais eu de QB. C'est defense and we're going to run the football. That's what we do. J'ai une question pour toi, Jalil. T'es owner des Bears. Moi, 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 je te réponds tout de suite oui à la question que je vais te poser. T'es le honneur des Bears. Est-ce que tu trade down? Potentiellement non. avoir plus de draft picks pour être plus stack. Et avoir peut-être un deuxième genre, Drake May ou euh, euh, McCarthy, et avoir une meilleure line ou un meilleur D-line ou un meilleur wide? Non, parce que pour moi, Caleb Williams est quand même Generational Talent. Eh? Et sûr on va faire peut-être que tu dis avec l'ego, puis que tu vas faire du calme lego, le puis ça va être difficile. Mais tu sais comme moi dans NFL, talent is king. If you have talent, on va te donner du leeway pour faire un petit peu de folie. Tu sais, C'est de même ça marche. J'aime le take, j'aime le take. Moi, je suis désolé, j'aime pas le take. <laughs> moi, je pense que Caleb va être un over-hype. Over overrated. Overrated type of player à cause qu'il va au Bears. Si elle n'est pas au Bears, le garanti, le gars. Ouais, ben. Arrête, arrête. Je suis d'accord avec toi, mais, mais, mais toi, dans la peau des Bears, comme la question qui m'a donné, je suis le owner des Bears, je suis le GM des Bears. Il faut que tu prennes le talent qui est là. là. Il est dix il il fois le talent que Justin Fields ait. Oui, c est, c est, est. Oui, c'est un fait. C'est un fait. Il faut que tu le prennes. Il faut, faut que tu le prennes. Il faut que espères que tu sois capable de « build around him », même si tu n'es pas très bon à le faire. <laughs> ben, c'est ça, le problème. Si tu n'es pas capable de signer des joueurs en free agency pour « build around a QB », tu n'as pas le choix de « build around a draft ». C'est ça, mais... C'est parce que moi, je veux pas critiquer le kid à non, cause je de où il va aller. C'est que 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 ça. ça mon point de vue. C'est qu'à la fin, il y a le kid, il a, il a fait ce qu'il avait à faire. Tommy, is first overall. He's the best in the biz. C'est ah, il... juste, la, la, il y a eu le curse, ça soit Chicago qui a fini la stack. J'ai des gros, tu sais. moi, j'ai des gros, c'est un des meilleurs QB drafts depuis un, un, un long time. Oh, it's deep. Et yeah. Moi, personnellement, mon favori, c'est Drake May. Personnellement. On, on va l'envirer on à Drake May. Oh, okay. J'allais le Next QB. Next QB, écoute, d'habitude, là, je sais que la majorité des listes, c'est là que Drake May, est là, dans le général. Puis si c'est pas Drake May, pour moi, moi, là, personnellement, moi, personnellement, c'est tier 2. C'est là que as tier 2, puis lui, il est tout seul tier 2 aussi. T'as Caleb qui est tout seul tier 1, lui, il est tout seul tier 2, parce que Caleb, pour moi, il est generational. Jaden, pour moi, c'est un first overall pick any damn year si. Jaden Daniels. Si. Okay. Jaden Daniels. Okay, okay, si Caleb okay. si, si Williams serait pas là cette année s'il si n'est pas, si pas dans le draft de genre Andrew Luck ou, ou Peyton Manning s'il si n'est pas dans le draft de General Talents, Allen ce gars-là il va first overall Jaden Daniels est incroyable Puis non seulement il est incroyable mais pour moi ce qui m'impressionne le plus c'est qu'il a fait tout ça dans la SEC le, le kid il est 6 pieds 4 210 livres une petite critique c'est qu'il est un petit peu slim il est un petit peu slim pour 6 pieds 4 uh, s'il si pouvait build son body ça serait très intéressant uh, Lamar Jackson. mais Ouais, exact, exact. Puis ça alors, le kid, il a, le kid, il a comme 20, 22 ans. Il, il va, il, il va bifop, là. Puis c'est une bonne comparaison avec Tomar Jackson parce que justement, c'est le meilleur runner du draft dans les QB, de loin, sans aucun doute. Deuxième, le gars va arriver dans le NFL. Qui Deuxième. C'est un. C'est un. J'alil, va se. J'allis qui je parle. Je te parle dans, les, dans, les, dans, 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 dans le top du QB et franchise quarterback. Là. Tu sais, pas un gars que tu vas draft nécessairement en 5th round. Puis non, que tu mais vas faut, tu, faut tu... Te shout out le, le QB qui a run avec les wide receivers. J'ai oublié son nom, le plan le, le, le avec les cheveux noirs. Moi aussi, je me rappelle pas de son nom parce que non, il était pas dans mon. Il mon, est, mon, ben, mon parce et... qu'il il, il est genre project 4th round est, ou quelque il chose. Dans, il est pas dans le. Lui va finir. Je sais pas si tu connais Joe Webb. Il va finir comme Joe Webb. Ça se peut, ouais. Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Ils vont, ils vont, ils vont genre bouger receveur ou quelque chose. Mais c'est ça. Pure QB, c'est le meilleur runner du draft. Il quand, quand il, il va arriver dans la NFL, d'après un... moi, il va être le. Le QB, le QB que je parle, il a couru un 4-8. C'est là pour un wide receiver. Ouais. Mais Jaden, là, Jaden, il va être le meilleur runner de la NFL après Lamar Jackson l'année où il arrive dans la NFL. Oui, d'accord avec ça. Il, il est déjà bon de main. Ouais. Je suis tellement hype pour Jaden parce que justement, contrairement à, à Lamar, coming out of the draft, dude, ses mécaniques sont écœurantes. Ces mécaniques-là, il y a les plus belles mécaniques. Que, OK, quand je dis, à partir de maintenant, quand je dis qu'il est le meilleur dans ce qu'il fait, c'est second to Caleb Williams dans toutes les catégories. Ok, fait, que lui, il y a les meilleures mécaniques du draft derrière Kill, kill Williams. Ses mécaniques sont écoeurantes. Euh, écoute, Elite Running, 40 touchdown pass avec 4 interceptions dans la, dans la SEC, c'est écœurant. Ses cons, c'est que vraiment, ses mécaniques sont justement un petit peu trop parfaites. Donc, il va pas te faire le sidearm, il va pas se repositionner des fois dans une situation difficile. Il faut vraiment que ce qui est autour de lui soit parfait pour qu'il puisse faire le throw parfait. Tu comprends ce que je veux dire là-dessus. Euh, ce qui m'inquiète aussi, c'est, tu sais, par exemple, il est quand même très bon. Tu sais, c'est un QB. Beaucoup de monde veut voir comme c'est un runner, mais c'est un QB. Il va faire deux reads avant de commencer à courir. En général, les running QB, c'est un read, I'm out. Lui, il va te faire deux reads, des fois trois reads. C'est sûr qu'il peut encore améliorer ça. Puis, il faut qu'il améliore son throw out of the pocket. Parce que, justement, il est tellement écœurant à courir, il faut qu'il améliore son throw out of the pocket while running. Throwing while the run, il peut toujours améliorer ça, parce que même quand il est sorti de la pocket, il a lancé le ballon 20% de ses throws dans ce que j'avais ici. Fait que 20% de ses throws, il a lancé à la pocket. Donc, une fois qu'il sort de la pocket, il a décidé, je suis parti. Mais en même temps, quand tu as élite athlétiste, je peux pas blâmer, mais dans la NFL, il falloir que ça soit coaché out of him, de faire gars, make that extra like read. T'as encore un read de plus à faire, après ça, prends le ballon pis court. Mais Jalen Dalian, Jalen Jill, Daniels, écoute, là, moi, 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 il m'a impressionné, je savais pas qu'il qu était bon de même avant que je regarde il le va, tape. il value. Mais pour moi, moi, là, je serais pas surpris qu'ils le font pas parce qu'ils sont juste, cette organisation a prouvé d'être imbécile depuis des années, mais au que Caleb Williams est annoncé, là. Jalen, uh, Daniels, Washington Commanders, là. A minute into the, 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 the draft clock, go on there, announce your pick. C'est pas les Panthers qui sont deuxièmes overall? Euh, c'est Commanders qui sont deuxième. Oh, ah, yeah, Commanders, c'est direct, mon gars. C'est qui leur dit live. <laughs> uh, mais les, rumeurs, les rumeurs disent, c'est qu'ils vont, Commanders va prendre Drake May. Drake May, parce que c'est apparemment, ouais. ils aiment Drake May. Puis <inaudible> pour moi, c'est, pour, pour moi, ça, c'est un classique Commanders move. Moi, le Drake May, no spoilers de je vais juste le dire quick live, il me donne des shades of Zach Wilson, des vibes de Zach Wilson. <laughs> Moi, moi, je suis, moi, je suis complètement à l'opposé de ce que Jalil vient oh de Mais yo, Je ne vais pas « trust » Jalil, mais je vais laisser Jalil parler sur ben, Drake May. Quand, quand on va être rendu à Drake May, je vais en revenir. Puis, je ne suis, suis pas en train de dire qu'il va être mauvais comme Zach ça, Wilson. C'est bizarre que son « son meteoric rise » dans le draft <laughs> était bizarre. Zach Wilson, c'était pareil. Personne n'avait vraiment parlé. I don't BYU. » All sudden, il fait un boum, Boom, Mythio request, tout le monde dit oh, il should go be second, be third, quand personne parlait de lui toute l'année. Puis pas... comme... Drake May, c'est plus l'opposé. C'est comme il y a tellement eu une saison écœurante à passée, everybody's like, oh, Drake May is gonna be the second best draft, second best overall, second best overall. Moi, je pense que c'est passé. Tu regardes cette année, les statistiques vont être bonnes, mais si tu regardes le tape, le tape est pas bon. Puis moi, je pense qu'il qu y a beaucoup de scouts que c'est comme tu sais, c'est de l'ego. J'ai dit que ce gars-là allait être boosté, donc un an plus tard, ils sont pas capables de s'avouer que. Oh, euh, non, non, il faut encore que je dise qu'il qui est boosté. On Ils ne peuvent pas changer ça, leur technique il y a un an. Exact. Parce que Drake May, c'est ça, je vais en dire. On, va, on, on veut juste voir s'il si y a des questions sur Jalen Daniels, puis je vais m'ouvrir. Je ne veux pas rester trop longtemps, parce qu'on a bon. beaucoup de free agency aussi. Non, non, non. C'est bon pour Jalen Daniels. Bon, ouais, ouais, Numéro ouais. 3 euh, m'a beaucoup impressionné. J.J. McCarthy. J.J. McCarthy à la Michigan. Over. Extrêmement impressionné. Over Michael Penis Jr. J'étais tête j'étais tête entre les deux puis je vais te dire la différence pourquoi j'ai pris JJ McCarthy over Penny mais j'étais extrêmement côte à côte puis mm -hmm. je vais te dire là on est dans le tier 3. les deux sont dans le tier 3, puis sont côte à côte JJ okay. okay. euh, McCarthy ce qui est inquiétant c'est qu'il n'y a pas beaucoup de tape écoute le, le, le gars il m'a pris peut-être trois heures de moins à finir le tape que les autres là. merci euh, il n'a a pas fini tous ses quatrièmes corps parce que l'équipe stamp euh, mais en même temps gars il joue dans le Big Ten Bonne division. Ses mécaniques sont aussi écœurantes. Il était un petit peu slim. Il était à 203 livres dans la saison. Au draft, il a clock à 220 livres, 6 effect, pieds 3. Donc, il a, il a comme fixé un petit peu ce, ce problème-là. En même temps, ce qui est inquiétant, c'est -ce que c'était juste de l'eau. Je sais pas. On, on verra. Mm -hmm. Mais écoute, le gars, il a le clutch DNA. Clutch DNA. Euh, pas juste parce qu'il a gagné le championship. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il jouait dans une pro offense. Fait que déjà là, il va transitionner dans la NFL parfaitement. Mais ce qui était le plus impressionnant, c'est qu'il jouait dans une one first offense. Le gars a quelque chose comme, je pense que, ne m'en rappelle pas, j'avais combien. Mais écoute, là, il y a une bonne, euh, un bon 100, 120 trop de moins que les autres QB, là, dans saison, là, que les autres, là. Ben, Mais ça, tout, ça tout c'est impressionnant. Y a, il y a 1000 de moins que les moi, je... autres. Ça se voit, est-ce qu'il y a Milberg, ah, yeah. ben, Il a pas joué. Comme, comme j'allais l'a dit, il n'a a pas joué la plupart des quatrièmes corps parce que. Exact. Leur running game à Michigan était juste trop insane. Il y avait juste ben, besoin de jouer la balle. Ce qui était le plus impressionnant pour moi, justement, c'est que, He was asked to throw le football juste quand ils avaient besoin de throw le football. Puis il a pas même fait à ses completions. Ça, c'est les passes ouais. les plus dures à faire. Quand t'as pas fait de pass pendant 3, 4, 5, 6, 6 jeux de course de suite, là c'est un troisième et cinq. Ah oh, là, on va te demander de lancer le ballon, tu l'as pas lancé depuis 10 jeux, mais il faut que peut-être chercher ton first down. Qui, qui te il te était penser, écœurant de faire ça. Moi, il me fait penser à un QB qui était dans la finale euh, Super Bowl. Yeah. Yeah, yeah. Il, 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 il est très Brock Purdy-esque là-dessus. I'm just non, mais sincèrement, il est très pas... Tu sais, il y a juste le clutch jean. Puis tu sais, on, on va se dire, Tom Brady, le Tom Brady était un seventh de front pick, c'était pas pour rien. Merci. Le gars avait pas de talent, mais il avait le clutch jean. Le clutch jean fait partie de, du talent, tu comprends? Il fait quest ce qu'il a besoin de faire, Laurent. Je sais pas pourquoi tu hates le Brock Brady, mais quand t'as besoin qu'il lance, il lance. Complice ses passes. Quand il a pas besoin de lancer, il lance pas. Il... Est-ce que tu peux ça petit monde, monde? Aussi, ça ou ça un... Brock Brady? Est-ce que, que tu veux es, Patrick Mahomes est -ce, est -ce es ou un Brock Purdy? Est-ce que tu es allé en finale? Tu veux Parce un Patrick fait... Mahomes. Comment? Tu veux un Patrick Mahomes. Mais est-ce qu'on peut s'entendre? Parce que Patrick Mahomes est, est le plus talentueux et il est clutch. Je, je vais revenir mais sur tu ce tu as dit au début. Tu, 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 veux, une... tu veux un Brock Purdy ou tu, ou tu veux un Josh Allen? Moi, je, moi, moi, je veux un Brock Purdy. je veux un Brock Purdy. No je moi, vois, je, Brock je Brock comprends. Mais là, je sais où ce que McCurdy est supposé aller. Puis on me dit, Vikings, no disrespect, Jalil, mais... Ça serait un chat, t'as pas beaucoup d'outils présentement pour avoir un, broc, un, un type de Brock Pretty dans ton team. T'as pas un running faire, game. Offensivement, les rankings sont built. Offensivement, ils sont built. Ils ont, deux oui. élite, ils ont deux elite tackles. Ils ont JJ, qui est le meilleur receveur de la ligue. Jordan Anderson, qui a fait 1000 verges en tant que rookie l'année passée. On vient de sang Aaron Jones, qui, qui... sait encore courir on le ballon. On va probablement draft un running back, anyways, aussi. Offensivement, on est stack. On a TJ Hawkinson, qui tourné les ciels. Mais gars, yeah, c'est un elite tight end qui va okay, revenir. oui, oui, j'avoue, oui, c'est vrai. On est parfait pour un young QB. Moi, je okay. pense qu'on est parfait pour entourer un young QB et essayer de le développer. On il n'y a pas voir, besoin d'en faire voir, trop. On va voir. C'est un bon chat. Moi, a, personnellement, on je serais hype. hype. Moi, personnellement, je serais extrêmement hype que soit jeté par les Vikings. Je pense pas qu'il va se rendre jusqu'à 11. Je pense qu'il faudrait qu que les Vikings straight up. Mais écoute, si ça arriverait, I, was, I would be ecstatic. Théoriquement, il peut se rendre aux Vikings, Jalil. Théoriquement. Bears, Bears, draft un QB. Commanders, draft yep. un QB. Patriots, -pa yep. draft un QB. Cards, yeah. je verrais pas draft un QB parce que. Ils vont aller Marvin Harrison Jr. Eux, eux ils pensent qu'ils ont encore leur, leur stud QB. Yeah. Chargers, ne draft pas un QB. Giants, après t'as donné tout cet argent-là à Daniel Jones, ça serait stupide d'aller draft un QB. Titans, peut-être peuvent draft un QB s'ils trustent pas en Will Lewis. Whatever, moi je trusterais pas non plus. Falcons ont pas besoin de draft un QB parce qu'ils ont signé Tomboy. Yeah. Les Bears ne vont pas redraft un autre QB. Boss, t'arrives peut-être, là. T'arrives là, là. C'est possible, mais t'as deux. T'as deux, trois équipes avec Giants et Titans. Tu prends un risque aller laisser draft devant toi parce que t'es pas sûr ce qu'ils vont faire. Exact. Et tu prends exact. tout le temps aussi le risque. Parce que regarde, les Vikings sont 11, mais regarde les équipes derrière lui. Derrière eux, c'est toutes les équipes qui veulent un QB. T'as Denver, t'as les Raiders. Eux, eux autres, ils veulent tous essayer de leapfrog les Vikes. Exact, Donc, les Vikes, mais... si tu veux pas te faire leapfrog, faut que tu leapfrogs avant. Les, les t'sais, trois t'sais, premières t'sais... teams, les trois premières teams, c'est 100% sûr qu'ils vont QB. 100%. 100%. La, seule 100%. Team, la seule team que je suis pas encore 100% sûr avec, c'est les cards. Puis après, ils ont pas besoin de QB. Les cards, j'ai un feeling que ça va avoir Marvin Zarrison Jr. J'ai vraiment un, un feeling qu'ils avoir... Ça va. serait le yeah. coup pour qu'ils reviennent avec euh, comment tu as call out le, le duo MVP. <laughs> The Hopkins. Mais yeah, yeah. ben, honnêtement, là, moi tu me donnes une combinaison JJ to JJ. I'm ecstatic. Bon, pour pour les bon, 10 toi. prochaines années, I'm ecstatic, man. Sincère. Okay. Pis, c'est c'est vraiment ça. Puis c'est ça. La, la plus grosse critique, c'est qu'il y a un petit peu de tape. Puis il y a pas beaucoup de tape. En même temps aussi, il a été coaché par John Harbaugh. John Harbaugh, c'est un quarterback gourou. Non, ouais. je pense c'est un des plus pro ready. Est-ce ouais. qu'il y a le highest ceiling du draft Je pense pas. Ouais. Mais je pense qu'il est un des plus pro ready right now. All right. So pour, pour revenir à la conclusion, là on, on, on va on va come back. Caleb William, ger, generational tunnel Patrick yep. Mahomes. t'en as pas plusieurs comme lui. Euh, yep. Après, tu avais ton tier 2 qui était yeah. euh, Jaden Daniels, euh, puis euh, tabarouette, j'allais sur le bord de la langue, j'ai dit tantôt. Alors, alors tier 2, c'était Jaden, il était tout seul. Drake, ah, il était tout seul. Jaden est tout seul. Tier 2, Jaden Daniels, qui est franchise QB, théoriquement. l'autre c'est yeah. Generational Talent, ça, c'est franchise QB. Puis après, tu as tes good QB qui étaient... Euh, là, là j'ai JJ McCarthy 3. JJ McCarthy, Drake May. J T'as pas compris Drake May? Pas encore si tu dis Drake May. Je sais que de l'avoir rentrer la table, mais on sait pas. Dis-t'Alice, okay. <laughs> Co, et après on va aller au fait. Yeah. Il, il me reste Drake May numéro 5. <inaudible> Drake May numéro 5, parce que j'ai encore Michael Penix Jr. au-dessus. Le seul que j'ai en dessous de lui, c'est Bo Nix. Et même là, si tu me demandes, Bo Nix est plus NFL ready que Drake May. Drake Merci. May est un. Est un c'est un projet. C'est un projet. Merci beaucoup, Jalil. Merci. C'est un projet. Le gars, là, a le meilleur marketing team behind him. Je pense que ses parents sont riches. Mais on le sait pas. Ça se peut? Écoute, parce que ça. Je vais aller, je vais bouger à Michael Penix. Michael Penix est écœurant. Meilleur deep ball du draft. Meilleur back shoulder throw du draft. 6 pieds 3 213. Euh, son seul con, c'est aller off script. Il est vraiment un prototypical quarterback. Il s'en va avec le script du play. Euh, des fois, ses mécaniques sont un petit peu lousy. Puis, j'ai des questions sur son medium-short range accuracy. Mais écoute, le gars, arm talent, il l'a tout. Euh, Peut-être une autre inquiétude pour certains gens. Moi, ça l'est pas. Mais je sais que certaines personnes, ça les dérange. Un lefty, c'est un gaucher. Je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment pas bouger leur... Moi, je m'en fous. Si tu as le talent, tu es gaucher, droitier, I don't care. Mm -hmm. so, après ça, c'est là que j'ai Drake May. Drake May, écoute, un, il jouait dans la ACC. Vraiment pas une division très forte, OK? Drake May, si tu le regardes, par exemple, tu le, tu le mets à côté de tous les autres QB, pis tu ne le regardes pas lancer un ballon, tu te dis, lui, c'est le meilleur de toute la gamme. À 6 4, 230 livres, why not? Il y a le body. Il y a le perfect body. Big, strong arm. 24-9. Ce que je vais te dire, par exemple, c'est qu'il y a le highest ceiling du draft après Caleb. Son ceiling est through the roof, yeah. mais il est très raw. Il a 21 ans, puis ça paraît. Tous les autres prospects sortent de là, 22-23, lui, à 21, ça paraît. Euh, il y a beaucoup de struggle quand il faut qu'il reste dans le pocket, faire un pocket throw, euh, pis, il, était il, est, il est inconstant. Direct me, je te jure, je regardais son tape, là. Comme il y avait un throw qu'il a fait contre Minnesota, Puis, je suis comme, holy shit, that's one of the best throw I've seen in my life. Sincèrement, je suis comme, dude, insane. Puis, après ça, il jouait une autre game contre, je euh, contre, je me rappelle plus c'était qui. Northwestern, je ne je, je me rappelle plus c'était qui. Puis, un plus petit programme en ouais. plus, là. On dirait qu'il n'y avait aucune idée, c'est resté recevoir était où cette journée-là? Vraiment, c'est la constance. Il y a des journées où tu le regardes, puis il y a l'air d'être un nearly quarterback, puis il y a une autre journée où tu le regardes, puis es, c'est ça, c'est Zach Wilson. Là. Es comme, ben non, c'est Zach Wilson. Hey, what's going on, on? On va arrêter de se mentir, c'est le plus gros flop. Tu sais, Zach Wilson, t'avais Mac Jones, Zach Wilson comme flop. Les, ça va être la même catégorie. va être la même catégorie que ces gars-là. Malheureusement, y aura ben, en... il y a quelques Mais Surtout s'il se fait take two. S'il se fait prendre comme un, moi je pense qu'il est qu un projet, tu le prends end of the first. Middle of the second. Yes. C'est très intéressant. Mais si oui. la pire chose qui peut arriver à Drake May dans sa carrière, c'est qu'il se fasse qu il se fasse voir comme le deuxième meilleur QB de ce draft. Oui. C'est la pire chose qui peut arriver dans sa carrière. D'accord avec ça. Avec le hype, faudrait il faudrait qu'il baisse puis ça, ça aiderait sa carrière, sincèrement. D'accord avec ça. Parce que s'il s'en va aux Commander's, te le dis tout de suite, ça marchera pas. Non, ça Ça marchera pas. Ça un flop, puis les Commanders vont juste crash and burn. Mais s'il s'en va later, une équipe comme Denver, peut-être, avec Sean Payton, qui veut le prendre. A rebuilt. Intéressant, ça, là. Oui. C'est vrai. Fait que, euh, ça, pas ça, ça, dépend, ça. man. Pourquoi pas? Ça dépend, mais c'est sûr que, je, je pense que c'est sûr qu'il y a besoin d'un, d'un, comment on appelle ça? Un, un, mandor, un journeyman hein? QB. C'est ça. Il y a besoin d'un journeyman QB qui va être avec lui, puis euh, ça, ça va bien aller. Ben, ça aussi, ça pourrait être bon. <laughs> ça, 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 ça. pas un mais, mauvais, as mais, de... mais je te dis juste, faut pas que tu le jettes au loup. Je avec Washington, il va te jeter au loup, puis il va se faire dévoré, man. Techniquement, je ferais ça avec toutes les QB du draft. Ah ouais, sincèrement, c'est l'idéal. Puis si en dernier, j'ai Bonix. Puis Bonix, Bonix est écœurant. À ce stade-ci, il est meilleur que Drake May. J'ai mis Drake May au-dessus sur ma liste parce que il a 21 ans, puis Bonix est le contraire. Bonix a 24 ans. Il va commencer la saison à 25 ans. Est Bonix, c'est un late bloomer dans le college. C'est pas grave. C'est pas grave, mais quand, 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 quand je regarde ça, c'est j'ai 4 ans de plus pour développer un joueur qu'un autre. C'est une énorme dire. différence. Ça ne veut là. rien dire. Si est un, que... Que un est meilleur que l'autre, un est un Zach Wilson, l'autre est un, on va dire, un genre de Russell Wilson, on va dire. Right? Il va faire la yeah. job à 25 ans plus longtemps et mieux qu'un Zach Wilson. C'est que mon pari là-dessus, c'est que si je suis un NFL coach, puis je draft Drake May. Ouais. Je bête sur moi-même pour m'arranger que Drake May à 24 ans soit meilleur que bonix aujourd'hui. Oui, mais un QB, c'est toujours plus difficile à, à changer et à corriger quand tu n'as juste pas de vision, tu paniques sur la pression. Un D-line, un O-line, un running back, ça Tu T'as 100%, ça, ça change. 100%, 100%, as 100 raison, pis c'est pour ça qu'il faut que tu commences jeune. C'est pour ça que Drake May est intéressant, par exemple. 21 ans, c'est un bébé. Là. Pour la NFL, c'est un bébé. Okay. Le nombre de gars qui se font repêcher à 23, là, tu sais... Puis Bonix qui commence la saison à 25. Parce que Bonix, ça me, ça, me, ça me rappelle un petit peu uh, uh, Wayne Redden, je pense. Ah, c'est un QB d'Oklahoma State. Mm, oui, puis oui. il était écœurant aussi, first round pick. Il est arrivé là à 25, 26 ans. Tu sais, ton développement, t'es quitté là, à 25 ans. T'es es, 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 l'homme que t'es. Wow, il n'y a plus ouais. beaucoup de place à, à changer. Puis à mm -hmm. développement. À 21 ans, je trouve qu'il y a encore beaucoup de place pour changer Drake May. Puis Bonix, sur le critique aussi que je vais avoir, c'est pas de sa faute. C'est plate parce que c'est pas de sa faute. Mais écoute, 11% de ses throws étaient downfield. À Oregon, là, c'était tout des wide receiver screens. Piu, piu, c'est the ball. C'est pas pour rien que son passing percentage est genre 77%. C'est ridicule. Parce que j'ai regardé ses throws, là. Gros, c'est tout des downfield. Pis le peu de fois que je l'ai vu lancer loin, dude, il l'a fait, pis il était curiant. Je pense qu'il a le bras, mais j'en ai pas vu assez. Puis c'est dur, c'est plate, parce qu'il faut que tu blames ça sur le coaching, mais... Ouais, oh, d'où de l'Oregon, c'était juste des wide receiver screens ah, qui faisaient, tu regardes le talent qu'ils avaient à la... recevoir. Il y a pas là pour que tu stats ce beau là. Ouais. C'est du RPO et du, euh, des, 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 wide receiver screen. Yeah, yeah, yeah. Fait que c'est, 11% de tes throws dans le field, c'est vraiment petit, là. Pour ceux qui savent pas, là, pour ceux qui, pour de, de donner une idée au, au monde qui écoute, c'est vraiment pas beaucoup. 11% de tes throws qui sont 25 yards ou plus loin dans le field, là, c'est pas beaucoup. Ouais. <laughs> okay. Next fait que euh, non c'est ça j'ai fait euh, ma liste si vous avez d'autres questions puis c'est les questions sur les comparaisons de joueurs mais euh, oh, wow, ben vraiment c'est a... ouais, ouais, pas mal c'est les gars ça c'est les six gars, ça, les six gars là, après moi qui ont le potentiel d'aller first round ça se peut qu'il y en a qui a second round là dedans euh... mais ça c'est six gars qui ont le potentiel d'aller first, first je round comprends. je comprends où... puis il n'y en a aucun de ces six là qui s'en va en dessous du second round parfait ça s'en vont Big pas shot. dans le second round il n'y en a aucun d'entre eux qui va être un third-round pick. C'est tout des second-round minima. Ah, oh, 100%. 100%. Oh, 100%. Parfait. Avec les, les premiers, new, premiers news, j'aurais dû mettre ça ensemble. Tu sais quoi? Je veux revenir. Je veux revenir. Je vais commencer avec les news plus euh, pas euh, euh, échange. Pas genre… Pas, euh, comme les, échange. Free agent. les free agents. Les free agents. On va aller avec les big les news. Les T. Higgins veut quitter les Bengals. OK, mais non, lui, il s'est fait franchise tag. C'est ma question. Et après, il y a Trade Request. C'est ma question. Ouh, peu importe. Là, c'est un manque de, de knowledge de ma part. Mais quand tu es punch hashtag, tu es coincé selon moi. Non. Donc, est-ce qu'il peut encore être échangé, même si c'est punch hashtag, et aussi, deuxième chose, est-ce que c'est un bon choix pour lui de partir des Bengals, sachant son attitude de diva, sachant qu'il ne sera jamais un numéro un? Je vais commencer avec l'air, tu as l'air chaud à parler. Peu, peu importe. Euh, si y a un trade request avant de faire franchise tag ou pas, euh, yo get out of the, get out of Cincinnati si tu veux être wide receiver number one, tu vas jamais être wide receiver number one euh, au Bengals. That's first and foremost. Jamar Chase va avoir tout le temps ce spot là jusqu'à temps qu'il s'en va. Puis deux, c'était quoi déjà? Excuse-moi, c'était quoi déjà? Pour moi, pour moi, Key Higgins euh, va offrir beaucoup plus à n'importe quel autre team de la NFL. Au Bengals. Dalil? Est-ce euh, que c'est un bon choix? Je pense que c'est un excellent choix pour Cincinnati de le tag parce qu'ils n'avaient pas le payer. Là, ils demandent un trade, fait qu'ils ne donnent pas vraiment le choix de le trade. n'es pas obligé de le trade. Exact. Pas force de le de à hold out. force le à hold out. Si hold out, là, on va peut-être avoir une conversation, mais force le à hold-out. Puis après ça, non seulement ça, mais aussi la différence, c'est que tu ne le laisses pas walk away in free agency. Là, tu le trades. T as des assets en retour et tu n'as pas besoin de le payer. L'autre équipe, faut qu'il le paye encore. Faut en mm -hmm. Il Faut qu'il lui donne un contrat. Ouais. Fait que ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent mm -hmm. euh, asset management. Et pour T. Higgins, yeah, you gotta get out. Si tu veux être un receveur numéro un, you gotta get out. If Ou you ça? wanna get paid, if you to get paid, you gotta get out. N'importe Jack où. Jacksonville. Jacksonville. Tu, tu regardes Christian... Yeah, regarde comment Christian Cook s'est fait payer combien pour aller à Jacksonville. T. Higgins va avoir bien plus de. Yeah. T. Higgins, là, s'il veut vraiment faire du cash. Dude, va dans une équipe pas bonne, va avec les Bears, puis va faire des millions pour pas attraper de ballon. Mais dude, c'est chill, là. Moi, je vais jamais planer un joueur pour aller chercher son cash, là. Tu sais? Alright. Moi... OK, Kaza, juste répéter ce que as dit. Je veux que tu Vas-y. Euh, moi, si je suis T. Gaines, je m'en vais à Jacksonville Jaguars. Euh, plus, numéro... plus maintenant. Plus maintenant? Non, ils ont, ils ont signé Calvin Ridley. Oakland Raiders. Pour être receveur numéro 1 et puis me faire payer en même temps. <coughs> Parce que peu importe que ce soit euh, Mango s'il si paye ou une autre, oh, équipe. Titans, bag. autre équipe, il va s'occuper le bag étant où il se veut numéro un. Ouais, moi, je me dis que oui, c'est un, un bon choix qu'il quitte, mais il faut qu'il soit réaliste. Il ne va jamais être un ressource numéro un. Il y a pas les skills comme ça. Il n'y a pas le talent comme ça pour être une ressource numéro un. Puis faut il faut qu'il retourne sur Terre. Go get your bag as a wire number two. Go get your bag. Oui, s'il va aux Bears. Peut-être le numéro un, moi, je pense même pas. Je vais te avec vous. Je pense qu'il a drop des balles importantes. Je pense qu'il est pas prêt. Mais il est receveur un... numéro un pour une mauvaise équipe. Mais je pense que exact. même, il n'y a, a pas ce talent-là et ce, ce, ce mentor-là pour avoir autant de ballons. That's my take on this. That's my take. Je l'ai vu. J'ai vu manquer des touchdowns. J'ai vu manquer des balles importantes dans le TD. Il ne peut pas être receveur un. Tu vas jamais voir Jammer Chase manquer des balles dans le TD. Tu vas jamais voir JJ manquer des balles dans le TD. Non, tu vas jamais voir manquer Hopkins. Mais tu as vu T. Higgins manquer des balles dans le TD. Il ne peut pas être le numéro Mais un. C'est ça qui te sépare d'un wide receiver one puis un wide receiver 2. C'est ces plays-là. Je suis d'accord avec toi. Mais comme on a dit, si tu veux être wide receiver one, tu dois partir des Bengals. Puis Au aussi, on va dire les vraies affaires. Si tu ne veux pas draft en receveur, admettons que tu es une équipe comme les Patriots y a certaines équipes qui ne sont juste pas bonnes pour évaluer les receveurs. Si, si tu ne veux pas en draft 1, ta seule option pour un recevoir le numéro 1, c'est payer un numéro 2 comme un numéro 1. C'est comme ça que ça marche, le free agency. You're paying a number 2 like a number 1. on l'a vu avec Christian Kirk, on le voit avec Calvin Ridley, on le voit avec Gabe Davis qui vient d'avoir un autre contrat. C'est tous des numéros 2 qui sont font payer comme des numéro 1 présentement. Au, au fond, si je comprends bien ce que tu dis. T. Higgins, c'est l'équivalent d'un Jordan Poole dans la NFL. Non. Non, 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 Jordan Poole, Zach Wilson. Wilson. Oh, ok, c'est bon, c'est All right, next question. Les Bucks veulent re-signer euh, Mayfield pour 100 millions 3 ans. Bon choix ou mauvais choix, Jalil? Um, I guess bon choix parce que I guess ils veulent re-roll avec leur, leur, euh, leur vétéran. C'est comme un one last ride avec les vétérans, leur, leur donner un « one last ride. Mais les box sont sont dus pour un, un rebuild au complet. T'sais. Fait que euh, puis Baker en même temps aussi c'est le fun parce qu'il est assez jeune pour que tu puisses essayer de rebuild un petit peu à de lui en attendant que tu trouves un nouveau QB. Baker c'est un très bon bridge quarterback. Mm -hmm. euh, puis malheureusement le market demandait à ce qu'il soit payé de même parce que c'est un petit peu overpay. Mais oui, mais si mm -hmm. tu veux pas qu'il walk down the streets à New Orleans à la place que ce soit eux qui gagnent la division en place de toi. Fallait que tu le payes. Donc, euh, mais ça ne pas de needle for me, pour être honnête. Mike Evans a re -signé avec eux pour deux ans. Moi, je pense, qu je pense que les Bucks believe que euh, juste Mike Evans et lui peuvent rouler l'offensive. Ce qu'il a fait durant la fin de la saison et le début des playoffs, ce qu'ils ont fait à mes Eagles. Donc, euh, ce que je pense, c'est que tu as raison, c'est un last ride pour les guys, je pense que. Un little push, un little more push, puis on peut se rendre en finale, on peut aller le plus loin possible. Euh, Est-ce que c'est un bon choix Sincèrement, tu sais quoi, j'aurais dû rajouter euh, Who cares <laughs> Non, we don't care parce que c'est pas un mauvais choix, c'est pas un bon choix, ça va rien changer. Ce qu'ils ont fait cette année, ils vont le refaire pour les deux ans avec McEvans. Et, Et dernière, ils n'avaient pas le choix. C est, c est, c est, Ils pas le choix parce qu'ils n'étaient pas assez hard dans le draft pour poigner aussi à drafter un QB. Fait que t'étais dans, dans No Man's Land où tu drafts genre 22, puis tu vas laisser ton QB walk. Après, c'est qui, qui Tu vas mettre un coach, là? Exactement. tu vas mettre ton quarterback coach. T'as <laughs> raison, t'as raison. Ils so, n'avaient comme pas le choix. Anyway, ça c'est mon take. Euh, Je suis complètement d'accord avec vous. Ça, ça ne move pas le needle left or right. Euh, c'est vraiment un lateral movement. Euh, Mike Evans a été re-signé. Euh, t'as vu que ça marchait entre Mike, euh, Mike Evans et Baker. Why not keep it going? Tu vas avoir des draft picks. Puis comme tu as dit, bro, tu drafts 28 overall. Les, les chances que tu prennes quelque chose qui va être complètement différent à QB. À la QB position, c'est vraiment slim to none. Donc, draft quelque chose d'autre. Solidifie ta O-line. Solidifie ta D-line. Draft un autre wide. Je sais pas qu'est-ce que tu veux, mais comme t'as l'option. Au moins. Puis à 30 millions par année, 33 average 33. quelques millions par année, je sais pas comment ils ont fait le contrat au complet. It's not it's not bad money, comme c'est pas C'est c'est un, un money. contrat de deux ans en fait. Exact. C'est pas mauvais. Ça ça. J'approuve tout ce que vous venez de dire. C'est une décision qu'il a qu'il ou pas, ça va pas affecter le reste de la ville. Parfait. Next question. Là, cette question-là, c'était relié à Bobby Winer, mais il a été signé aux Commanders. Hmm. Je vais quand même poser la question, une question similaire à ce que j'ai posé. Est-ce que c'est la fin de sa carrière qu'il est allé juste pour un quick money grab? Euh, ou vous pensez qu'il va amener un changement aux Commanders? Et je veux commencer. Moi, je pensais que quand il est revenu au Seahawks, c'était sa... prendre sa retraite là-bas. Là, je calcule, je pense qu'il pense qu'il est encore en shape encore pour faire une autre saison. Moi, je pense vraiment réellement, ils pensent qu'il est athlétique enough pour euh, avoir un impact sur le terrain avec leur draft de Akeleu, puis on va en parler plus après. Je pense que les commandos se disent que des vétérans aux commandos, présentement, c'est une bonne idée. qui vont amener un changement sur le terrain et sur, la, et sur le euh, 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 champion mentality. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Moi, je pense qu'il va amener nulle part. Je pense qu'il est rendu trop vieux, à cette position la l'Ambercus est tough. un seul l'a réussi à le faire c'est Will lewis Will euh, lewis on sait tous qu'il était en drug at some point donc euh, faut arrêter de penser que bobby est du même niveau pas même qu'il va il va peut-être bench ou se blesser mieux la saison je le souhaite pas mais je pense que ça va arriver malheureusement la um, est-ce que c'est un cash grab est-ce que c'est juste un gars peut-être qui a vraiment l'amour du football et qui a de la misère à le laisser, par laisser partir? Ça aussi, je, moi je pense que Bobby Wagner, c'est juste un gars qui loves football. Okay. Really loves it, puis il a de la misère à let it go. Okay. Je pense pas que c'est nécessairement un cash grab. je regarde l'argent qui pourquoi il a signé. Il a signé juste un contrat d'un an aussi, puis c'est pas beaucoup d'argent. Je pense qu'il just wants to still play. Pas beaucoup d'équipes voulaient lui laisser une option de ça. Commander, c'est un bon fit. Écoute, ça va être une jeune équipe, ils ont besoin de leadership. Est-ce mm -hmm. qu'il va qu va uh, tout changer sur le terrain, absolument pas, mais tu as besoin d'un leader comme ça dans une locker room quand tu essaies de build une culture. Moi, j'aime bien le move, je pense que tu n'as rien à perdre. Puis, euh, puis écoute, le, si le monsieur, tu vas encore jouer au football and you still love it, go for it, man. Go for it. je le jeu de Je suis d'accord avec Jalil, pas d'accord avec toi. Euh, Bobby Wagner, comme, comme Jalil a dit, il aime football, il veut encore jouer. Il a reunite avec son ancien DC, which is not a bad thing pour n'importe quel joueur. Ils se connaissent. So ils savent c'est quoi. Il a, il a, lui, il va rentrer day one. Il va déjà savoir quest ce que le coach il veut, comment ça joue. Yeah. Il, va être, il va être un step avant toutes les linebackers sur, sur ce team. C'est pas un bad call. Puis, pour l'argent qui a signé, c'est vraiment des. pas des peanuts, mais je veux dire, c'est pas tant cher que ça. Tu as tout le temps besoin de l'expérience d'un gars comme Bobby Wagner qui a gagné un Super Bowl. Euh, pour une jeune team comme les Commanders parce que don't get me wrong les Commanders sont encore très jeunes ils ont pas tant de potentiel que ça pour l'instant mais yo donne leur 2-3 mauvaises années ils vont avoir plein de draft pick puis ça va build up t'as besoin d'un gars comme lui pour montrer le way il, euh, oh, il va faire des plays bro il va il va jouer de temps en temps puis il va get his money puis that's it, that's all. il va être excellent dans le video room oh, ok il va être excellent, excellent dans le video room pour ces jeunes linebackers là là ça yes, donc, si je comprends bien à re signé avec euh, Commanders uh, Washington, est-ce que c'est un money grab? Est-ce qu'il love football? Est-ce que c'est un, un bon choix, un mauvais choix? Moi, je pense que c'est un bon choix. Euh, tant qu'il y a une franchise dans la ligue qui veut te signer, ça signifie que tu as encore de la valeur. Et même s'il n'y en a pas qui veut signer, ça ne veut pas dire que tu es fini. Je donne comme exemple Carmelo Anthony à un moment donné, on l'a Blackball. Il est revenu puis il a aidé eu euh, Pearl Blazers qui était avec Dame. Donc, euh, je ne pense pas qu'il le fait pour l'argent parce que le football, c'est un sport assez dur sur le corps physique, surtout plus tu deviens vieux. Euh, si tu veux faire subir ton corps ce genre de calvaire-là, ça veut dire que tu aimes vraiment le sport. Parfait. Bon, là, on commence avec les drafts. Si j'en manque un ou deux, s'il vous plaît, me dites-le moi. Je vais commencer avec le premier Russell Wilson. A été signé aux Steelers. Là, on va faire un jeu. On va dire bon choix, mauvais choix, ou it doesn't change anything to the team. Si on n'est pas d'accord, on argumente un peu. Si on est d'accord, on n'argumente oh, oh. pas au pass au suivant. All right? On va commencer avec l'invité. Pour chaque, on va commencer avec l'invité. Jalil Russell Wilson. Bon, mauvais, ou it doesn't change at all anything for Russell or the Steelers. Excellent choix. OK. Parfait. Sventi? Mauvais choix, puis je vais vous l'expliquer dans deux Après, secondes. Après, va... OK, je ça. Excellent choix. Sur moi, puis j'allais, on va argumenter avec Sventi. Kaza? Juste une question. Est-ce que vu qu'il s'est fait release, euh... Ta nouvelle team doit, va devoir lui payer un nouveau choix. Rien. A, 12, même 12 a, millions, je pense. Un excellent choix. Mais ils en donné minimum, non, non. Bon, un le minimum, normalement. Bon, Jalil commence à prouver. Non, en tout vu que T est le seul qui est dans le mauvais, tell us why. Spenty, tell us why. La, la, la seule unique. J'allais dire, dire comme vous un bon choix, mm -hmm. mais la seule unique raison pourquoi j'ai dit mauvais choix, c'est que tu signes Russell Wilson, puis tu te départis d'un de, de tes bons weapons qui était Deontay Johnson. I don't understand the move pour avoir, euh, pas Pickett, mais Pickens, Nagy, puis that's C'est ça ton offense? Puis Pat Fremuth? I don't think it's enough for Russell Wilson. Mike Tomlin, c'est un bon coach, il va être capable de still avoir une winning season, mais je pense pas que Russell Wilson is the way pour cette équipe-là. Dalil, ta réponse? Écoute, tu pognes Russell Wilson pour moins cher que Kenny Pickett pour le remplacer. Ouais, ça, ça, ça Moi, c'est aussi simple que ça. Pour 1.2 millions, pis... je prends Russell Wilson any day of the week. Mais... Ben c'est ça, c'est que dans le fond, tu donnes, tu donnes à un winning un coach qui a jamais eu une, une losing season, un, une team qui a fait tes playoffs l'année passée, un meilleur QB. Oui. C'est aussi simple que ça, ça pour moins cher en plus. Puis aussi, ça peut juste aider Kenny Pickett un petit peu. Vraiment, tu vas avoir de la compétition. Tu vas avoir un vétéran devant là. Je pense que Mike Tomlin est curé. Je pense qu'il va un adulte under center. <rire> euh... <rire> Il est allé avoir sa défense qui doit carry the load every damn time. Okay, okay. Puis ma, ma aussi, pour ce qui est Johnson, t'amène un, un bon point, mais écoute, on a vu le problème avec les receveurs de passe cette année les ici des Steelers. C'est plus des Heinz Ward, hein? C'est pas des Heinz Ward. Block. Genre, yo, <laughs> oh, exact. Fait que je pense qu'ils sont très contents de laisser un gars comme Johnson partir parce que ça fait pas partie de la culture des Steelers. Là-dessus, je suis d'accord, mais tu viens de départir un de tes meilleurs weapons quand tu signes Russell Wilson. Sans... Peut-être qu'ils vont aller draft un wide receiver, je sais pas. Tommy, c'est -ce ça. Tommy, they're going wide receiver for round. Moi, mais... je pense que c'est ça, ça leur need. Fait qu'on verra. Mais on va voir. Mais... On va voir en du là. Mais le move de Deontay Johnson, après que tu aies signé Russell Wilson, ouais, c'est bizarre. C'est ouais. que pour moi, c'est un win parce que there's no losing aspect. Non, exactement. Si Russell ça, Austin, ça marche pas, il a signé un contrat d'un an, merci, bye bye, bye je t'ai payé des pinots ça sonne à rien. Pour, fait pour que ça peut donne... juste gagner puis ça peut pas perdre. C'est comme ça que je vois ça. Exact. Mais pour ça, je te le donne. Moi, c'est le Deontay Johnson move que je comprends. Pas. Okay. Got a oh, block okay. man. C'est football. football. All right. All right. Est-ce que tu as juste à argumenter avec Spenty? Je pense que tout a été dit. Même chose. Je suis d'accord avec Jalil aussi. Next one. Parkins, le boy de Jalil. Son meilleur ami. Celui qui a crié à la télé puis qui a remercié. Celui qui a toujours crié en. Hein? Que cousin. Yeah. Que cousin est parti des Vikings, guys. C'est incroyable. Il est parti aux Falcons pour 180 millions, 100 millions garantis. Mm -hmm. Bon choix ou mauvais choix ou it doesn't change anything pour les Falcons ou que Cousins? Je vais comment? pas jusqu'à excellent choix parce que j'avais dit excellent pour Washington parce qu'il n'y avait pas de downside. Ouais. Lui, il a, a la possibilité d'avoir un downside donc j'irai juste avec bon choix pour celui-là. Bon choix. Ok. Euh, bon choix. Ok. Euh, euh, <laughs> euh, je vais aller avec Mauvais Choix. Ça, c'est mon TIC. Kaza? Je pense qu'ils l'ont overpaid Mauvais Choix. OK. J'allais argumenter avec moi. Je t'écoute. Euh, ben, probablement pour la raison pourquoi c'est un bon choix, c'est parce qu'encore une fois, ils n'avaient pas le choix. Oui, ils auraient pu draft un QB huitième, mais, mais ça, va, ça va faire... Ça va ça serait quoi le quatrième QB qui draft en first round dans les cinq dernières années? À uh, un point, il faut que tu réalises, OK, peut-être qu'on n'est pas bon pour faire ça. Ce n'est pas notre, notre meilleur attribut. <laughs> euh, il y a raison. raison. Puis la plus grosse raison pourquoi je le fais, c'est parce que la stabilité, oui, overpaid. est a été overpaid. Est-ce qu'elle est overpaid? Mais à la fin, quand tu pognes un QB dans le free agency market, tu vas le pogner overpaid. That's how it works. C'est ça même marche. Euh, pourquoi c'est un excellent choix? Le coach, c'est Raheem Morris. Okay? Raheem Morris, il, il coachait Tampa Bay avant. Puis... Il a perdu sa job en dans un d'un an et demi parce que son, son QB, c'était Josh Freeman. Il n'y a jamais eu une. Rory <laughs> Morris, pour, pour ceux qui ne savent pas aussi, Rory Morris, c'est un Afro-Américain. On sait tous que les Afro-Américains ont plus de difficultés à retrouver un job une fois qu'ils ont perdu leur job de head coach oui. dans la NFL. Vrai. Et ça a pris 15 ans pour qu'il repogne un poste, puis c'est le poste qu'ils viennent avoir là à Atlanta. Je pense que Rory Morris s'est dit, gars, si j'ai pas un QB, je vais perdre ma job d'ici un an et demi encore avec tous les athlètes que j'ai. I need stability. Puis Kirk Cousins, c'est exactement ça qui va l'amener. Il va lui amener stability. Il va lui amener, dans cette division-là, il va lui amener 10 to 12 wins. Un ou deux division championships. Puis avec cette stabilité-là, au moins, il peut se build un nom en tant que coach. Parce que tu peux pas te build un nom en tant qu'un an parce que le, le, autant le QB est dépendant du coach, le coach est dépendant du QB pour le succès dans la NFL. Donc, pour ça, pour moi, personnellement, pour Raheem Morris, je me mets dans sa, dans ses, dans ses souliers puis dans sa peau, là. T'as pas le choix. Tu veux pas avoir une autre, une autre occasion de, une saison et demie, puis après ça, il faut attendre un autre 15 ans pour ton prochain poste, peut-être qu'il viendra jamais. Il a de de no choix, c'est ma opinion. Yeah. Moi, moi tout ce, je, je, euh, je veux ajouter ce que je l'aurais signé, mais pas pour autant de temps et autant d'argent. Je sais que tu m'as dit qu'ils sont obligés de le prendre overpaid, mais je trouve que c'est le, le 4 ans de commitment qui est trop long. J'ai trouvé ça bizarre aussi. En tant que même Vikings fan, j'ai trouvé ça bizarre ans, parce que pour beaucoup. moi, les Vikings, quand ils ont overpaid pour que Cousins, c'était en free agency aussi. Mais la différence, c'est qu'il y avait un énorme bid en him. Les Jets étaient en him, Il y avait les Denver étaient en him. Everybody was on a bidding war. Cette année, on dirait qu'ils, les Falcons outbid themselves. Parce que clairement, les Vikings ont donné un contrat qu'ils étaient satisfaits avec. qui ont dit, gars it's this or, or, you take it or you leave it. Mm -hmm. C'est ça qu'ils ont fait. Les négociations ont été là. que Cousins a dit, OK, je vais voir si je peux trouver mieux. Who were they outbidding? Il y avait perdu son autre qui était sur le Kirk Cousins bid. Fait que je pense qu'ils se sont outbid eux-mêmes vraiment en pensant que, que... Oh, il faut, faut vraiment pas qu'on le perde. Mm -hmm. Mais en même temps, encore une fois, je comprends tu as attendu 15 ans pour ton poste de coach. Go all in, man. <laughs> Moi, ça me démontre que les Falcons veulent juste... Là, tu l'as dit là, avec le coach, Ryan Morris, ils veulent juste euh, garder face, garder la franchise on un certain level monétairement. Ils savent que Cousin, ils peuvent se rendre au moins à une fiche positive, vendre des billets, se rendre loin. Mais le, le, aller gagner une finale, gagner, se rendre loin en playoff, ce n'est pas dans leur tête présentement. Et moi, je pensais que les Falcons étaient rendus au Rebuilt Stage. Et c'est pour ça que je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu, c'est ils ont approuvé à les gens en disant que, que Cousin ne va pas les rendre en finale. Ils n'ont pas les weapons comme ça pour se rendre en finale. Ils manquent beaucoup en défense encore. I'm sorry. Ce n'est pas c'était pas un bon move. C'est un move monétaire. C'est un move pour garder la face, pour garder un, un positive, euh, une, une fiche positive. Arrêter d'être perdant et that's d'attitude. That's my take. Moi je, moi, je pensais que j'étais rebuilt, perdre deux ans, trois ans de plus et aller chercher plus de pistes pour commencer comme Jacksonville a fait, comme les Bills ont fait, comme beaucoup d'équipes ont fait. Écoute, cet offense-là est tout rebuild, man. Dans les 10 dernières années, je pense qu'ils ont spent 6 first round picks pour des skill positions à l'attaque. Tu penses que Kirk Cousin, qui avait des skill positions à l'attaque aussi à Vikings, va amener un champion au Falcons? Non. Merci. C'est tout. Mais l'équipe est ready pour avoir. Il manque juste un QB à l'attaque. Je ne parle pas de la défense. Mais à l'attaque, il manque juste un QB. C'est pas que Cousin qui va faire ça? Oui, 100%, c'est Kirk Cousin qui va faire ça. Ah Vikings. Qu Qui était ah, dans les Vikings, s'il vous plaît qu Qui n'y qu avait pas dans les Vikings Tout le s'était c'était boosté. Là Moi puis c'est pas rendu en play et c'est pas rendu en finale. On ne parle pas de finale. Faut Il Faut qu'il se rende division title dans la pire Il division de la Il va se rendre à l'aise. Moi je te parle que se rendre division title ce n'est pas assez. Pour, pour les Falcons l'année prochaine c'est plus que assez. Oui, c'est ça. C'est one step at a time. Tu peux pas passer de, on n'a pas gagné notre division depuis 10 ans, puis l'année prochaine, on va gagner le Super Bowl. C'est one step at a time. Regarde les Detroit Lions. Les Detroit Lions, ils étaient de Biden Ça veut dire, en 4 ans, va se rendre en finale? Oui, 100%. Moi, je pense. Non, je suis d'accord avec toi que je pense pas. Mais quatrième année il Faut que ces jeunes. À la quatrième année. Avec Kirk Cousin aux Falcons, avec Bijan, Drake London, puis tout le reste de l'offense, je vois plus de chances que les Falcons se rendent en finale qu'ils ne se rendent pas en finale à la quatrième année. Je ne te parle pas l'année prochaine. Okay. Je te parle dans quatre ans. Mon gars, tape, this shit. Mais te, <laughs> le, tape mais des this aussi, shit. Prends le Parce que Aussi, il aussi, faut que tu y penses. Là, ces skill position players, là, à la Carpets Pitts, puis Bijan Robinson, puis ouais. tout ça, là, they want a quarterback, too. Because that helps them get paid. That yes. helps help them get the football. À un moment donné did. aussi, si tu perdre toutes tes skills position tu t'as pas le choix de repogner un QB. Parce que moi, je te dis, s'il ne pas que cousin cette année, il draftent un autre boss. <laughs> quand Pitts dit, merci, bonsoir, je m'en vais dans une autre équipe. Le receveur de passe, puis Bija Robinson dit, merci, bonsoir, prochain contrat, je m'en vais dans une autre équipe. T'as besoin d'un minimum d'excellence, un minimum de quarterback play, en fait, T'as besoin d'un minimum. Puis, non seulement, t'as, non seulement t'as as, as fait un smart move en signant, euh, Kirk Cousin, mais tu t'as get rid de la personne qui t'a fait perdre le division title cette année, Arthur Smith, un des pires coachs de la NFL, que j'ai jamais yeah. vu comme auparavant. Comme tu get rid of him, tu as pris un gars qui est Ray Morris, on va voir s'il va être proven parce que ça fait quand même 15 ans qu'il est plus dans la NFL, sauf que tu lui donnes une, une chance. Mais tu as, as signé Kirk Cousin, tu as des offensive weapons, Pis t'as la pire fucking division de la NFL, bro. Pis ils ont une top 5 offensive line. Merci. Ils ont une top 5 offensive line. Merci. T'as juste... All they need to spend is on de lancer la balle. Que Kirk Cousins... Je te dis, là, ce draft-là, là, ce draft cette année, Falcons, watch out, they're spending everything on defense. Everything. T'as plus besoin d'aller chercher rien en offense. C'est bon, c'est bon, I think, guys. C'est bon, c'est bon, I think. Mais non. Vous avez de bons points. Vous avez, des bons points. Vous avez des bons points. Je te garantis qu'au qu grand minimum, ils gagnent leur division deux fois dans les quatre prochaines années. Parfait. Ils sont plus proches de se rendre en finale dans quatre ans que la plupart des teams de l'NFL. All right. Next le, question. Il y a un gros risque avec le meniscus, par exemple. Ça, oh. ça on ne va pas le renier. Mais en même temps que Cousin, son game n'est pas autour du meniscus, mais... T'es à 36 ans, un meniscus, on va voir. Là. On va voir. Aaron Rodgers, je, je ça, trouve qu'Aaron Rodgers, il a fait paraître au public qu'un meniscus, c'est rien, c'est pas rien. Merci. Là, le monde maintenant pense que c'est rien à cause d'Aaron Rodgers. Non, c'est pas rien. <laughs> on va se dire ça aussi. <laughs> il n'y a pas de comeback, même si on y pensait qu'on y allait comeback. Yeah, yeah. yeah. All right, next one. De DeAndre Swift aux Bears. Bon choix, pas bon choix, ou ça change absolument rien. Je veux le dire comme ça, ça va changer absolument rien. Jalil? Bon choix. Ça, ça change rien. Mm. Ça change rien. Les on a, Bears, c'est les Bears. On n'argumente pas là-dessus. Est-ce que tu as argumenté, Moi, je dis juste que c'est un bon choix, c'est simple. T'as ouais. besoin d'un minimum de running game quand t'as un rookie QB. That's it. Je suis d'accord avec avais ça. avais Montgomery, tu l'as laissé aller. Puis il est devenu un des meilleurs ouais. running back de la ligue. simple. Non, non, je suis d'accord avec toi, mais il fallait que t'en ponges quand même en mode C'est ça. <laughs>

The next one I'm loving this. Saquon Barkley aux Eagles. Excellent choix. <laughs> Et puis je vais argumenter si qui dit non, mais excellent choix. Kaza? Je suis d'accord, c'est un bon choix. Jalil? Hate it de merde ok plus 20 doesn't change a damn thing ok <laughs> guys j'ai un excellent choix à une condition seulement oui et puis c'est la condition pourquoi j'ai dit doesn't change a damn thing <laughs> non non, non okay. s'il se blesse pas deux choix même s'il <laughs> se blesse pas et si le offensive scheme revient à un RPO style avec more play action we need more Play action comme dans les débuts quand ils se sont rendus en, en finale de playoff. L'année passée, it was too basic. Pro de euh, di, euh, euh, Madonna, Diva à A.J. Brown. T'as tellement d'outils offensivement, mais tu focuses juste sur le, le, le top push. Le... <laughs> Et puis, A.J. Brown. T'as vu que Demon Smith était une menace. On l'a pas assez utilisé en, en, en On avait Goddard aussi qu'on a pas assez utilisé. On avait une très bonne online. On a même perdre un de nos best center le best center, le best center. Euh, notre, notre tackle left tackle euh, j'ai son nom qui est un très bon left tackle il commence à devenir vieux donc Peters. la seule comment oui Peters yeah Peters exactement. merci donc en amenant Saquem Barkley ça permet de ouvrir une plus grande ouvrir le jeu de passe c'est une plus, plus grande menace que DeAndre Swift euh, DeAndre Swift aussi pour les pocket pour les petites passes sur le côté pour right, les petits scramble passes. Donc, moi, je pense que Saquon Barkley était un très bon choix pour les Eagles s'ils changent leur offensive That's my take. Dalil? Well, first of all, je vais argumenter que ton point. Je n'allais pas argumenter. J'allais donner mon opinion en premier, ah. mais je vais argumenter avec ton point. Tu ne devrais jamais changer ton offensive scheme pour un free agent que tu as signé. That's non, very non. weird. If you do that, that's very weird. L'année passée, l'offensive était haché pour moi pour les Eagles. Ah non, je suis d'accord, t'étais pas à pareil. Mais je vais te dire pourquoi vraiment je déteste ça. Je vais te dire pourquoi je déteste ça. Si tu, tu me demandes c'était quoi la plus grande force des Eagles, je t'aurais dit c'est leur running game. Sur so moi, je suis jamais été fan des équipes qui renforcent déjà leur position of strength mm -hmm. au lieu de renforcer leur weakness. Je ne sais pas si tu le sais, mais pour exactement le même montant d'argent, vous auriez pu signer Patrick Queen. Pour moi, là, pour moi, le problème à avec les Eagles, c'est que la défense, ça joue au flag football. Oui. C'était ça mon problème. Vous auriez pu avoir pour le même montant d'argent Xavier McKinney, le safety. Vrai. Des, des... Fait que je comprends pas pourquoi tu tu release Swift qui t'a donné une meilleure production que Barkley l'année passée en billet derrière une meilleure offensive line, mais quand même une meilleure production. Mm -hmm. Puis tu le laisses aller pour signer Barkley pour plus cher que qu'est-ce que Swift tu le payais. Puis là t'as pas l'argent pour aller chercher Queen puis pour augmenter ta défense. I, I don't understand why you are strengthening a position of strength les Eagles, leur force toi. à déjà courir le ballon. Le problème, c'est qu'ils ne couraient pas. Voilà. Mais quand ils couraient, ils couraient bien. Ben, ça dépend. Il y a des games, ils faisaient juste ça. C'était simple à et, lire. Je vais, je vais pas débattre là-dessus. Okay. Moi, sur qu ce que je vais débattre, c'est est-ce que tu es prête de rentrer dans ta play Première playoff game. Premièrement, si tu te rends en play-off. Play-off, first of all. En play arrête. Avec la, stop, stop the suspectness. Avec la nouvelle O-line... On va voir si tu te rends play off. Avec un nouveau senior. on va voir si tu te rends play off. Moi, je veux juste te dire, est-ce que tu es prête de oui. voir Shekhan Barkley on the IR? Puis il faut que ton running back one soit Kenneth Gainwell. Moi, c'est juste. Si tu me dis que es prête à voir ton premier playoff game que ton starting running back, c'est Kenneth Gainwell, bah, Ça, c'est un, un excellent point. Parce que c'est quoi, faire? Je... Il a manqué quoi? 24 games dans les trois, dans les trois dernières saisons? C'est beaucoup là. I am beaucoup. Sorry for you. Guys. Avec une nouvelle O-line. C'est que, gars, moi, moi c'est pas compliqué. C'est La même chose, c'est la, la même raison pourquoi je l'aurais pas draft second overall. Je ne comprends pas spend autant de draft capital ou autant de free agency money quand tu peux pogner un autre joueur qui va te donner 80% de la production pour 50% du prix. It's, it's basic mathematics. Je suis d'accord avec toi. OK. Guys, vous sous-estimez comme Berkeley. Vous sous-estimez sous euh, les... Je comprends les goals. Je comprends. Un on a donné de la marde offensivement. Défensivement, on ne plaquait pas. Là, on est allé rechercher si j'ai Garner. Which, uh, non, uh, y yeah, a Garner Johnson. Oui, il y Garner Johnson. On est allé le rechercher. On est en train de reprendre uh, un DB Squad un peu plus solide. On a perdu Fletcher, Fletcher Cox par la retraite, ce qui est un big piece. Mais je pense que le deal est assez stack, comme ça, que même si on perd Fletcher Cox avec, avec son, son expérience, il a peut-être mené. À nos D-line rookies à un certain niveau qui peuvent le laisser partir. Le seul T que je suis prêt à prendre, c'est le T de Jalil. On aurait dû prendre Queen. Parce que nos backeux ne plaquaient pas et nos D ne plaquaient pas. Pour le même prix. C'est pour ça. Le fait c'est le même contrat pour moi. C'est ça qui fait mal. C'est que tu aurais pu avoir Queen pour le même argent. Et Queen a signé après que vous avez signé Saquon. Ça, ça veut dire que vous ne l'avez même pas chase. Exactement. C'était votre D-line qui vous sauvait defensively. Ouais. Votre D-line a pris un coup. Votre O-line a pris un coup. Puis présentement, offensivement, vous faites fuck all. So I'm sorry, mais moi, chez Con Barkley ne, ne fait rien pour les gosses. J'aime juste pas le fait. J'aime juste pas le fait. C'est ça. Vous étiez déjà fort. Renforcez pas une, for une force. Renfor Renforcez tes faiblesses. C'est comme ça que je vois ça. Alright, next one. Josh, Josh Jacobs au Packers. Bon choix ou non ou change rien. Dalil? Ça, pour moi, c'est un des rares où je vais dire change rien. Je trouve la production de Josh Jacobs, Aaron Rodgers, euh, Aaron Jones. Je trouve qu'Aaron Jones est relativement même un meilleur running back. La seule différence, c'est que Josh Jacobs, là, tu te rajeunis. Fait que ça, c'est bon. So, ça, pour moi, vraiment, c'est, change rien. It's be the same offense. Fenty? Euh, je suis du même point que Jalil, je sais. Change rien. I concur avec vous. Ouais. Tony Pollard au Titan. Mauvais choix. Jalil? Mauvais choix. NT? <laughs> On est tous d'accord là-dessus. Mauvais choix. <laughs> T'as changé rien pour moi. <laughs> Et ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, là on dira pas dans les détails, mais tu passes du plus gros bel cow de l'histoire au plus petit non-bel cow de l'histoire de l'affaire. C'est simple que ça. C'est vraiment ça. Puis il comme. <laughs> Je pense est... Derek Henry avait l'équipe sur son dos. Tony Pollard, on lui a donné sa chance Au Cowboys. Il n'a jamais réussi à le faire. Puis là que Derek Henry est parti, ça va être un... une offense complètement différente. D'accord. On est tous d'accord que Tony Pollard, c'est un third up back. Nothing less, nothing more. Merci. Yes. Ouais. yes. 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 Um, Patrick Queen. Aux <laughs> oh Steelers. Bon choix mauvais choix? change rien. Jalil? I like it. I like it. Puis, dude, tu ça, ça t'en vas dans l'équipe rivale en plus. So, we know the rivalry Ravens-Steelers. Ouh, il va manger des coups la première game contre les Ravens, mais je suis excité de voir cette game-là. Puis, je suis un big Patrick Queen fan since he got drafted. So J'aime bien le fit. T'as encore TJ Watt dans l'équipe. Euh, je pense que ah. ça va ouvrir beaucoup de lane à, à Patrick Queen. Puis, il va devenir une tackling machine, sérieux. I agree. Euh, très bon choix. TJ Watt qui prendrait l'attention. Là, c'est-à-dire que t'as Queen qui va être souvent euh, uh, open pour un open field tackle. Puis, ce gars-là, c'est une bête. Donc, il va pas mmh. manquer cette course. Très, très, très bon choix. Un bon choix. Puis, tu, tu aussi. Euh, rend les Ravens plus faibles dans l'équipe privée. Oui, je... tu <laughs> peux pas, c'est C'est un win-win. C'est win, win. <laughs> <Un> win. <Gazza? sharp> Je vais avec vous. Je ne connais pas, mais si vous dites c'est un bon choix, je n'ai pas confiance. Bon choix. All right. On avait dit euh, Deontay Johnson, que Spenty parle, euh, de, 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 le, beau le beau white des Steelers. Bon choix, mauvais choix, on ne change rien. Au Penteuse, je répète, au Penteuse. Spenty? Bon choix pour Deontay Johnson. Il va avoir des balles, mais mauvais choix. Pour lui aussi, il s'en va dans la paix équipe de la NFL. doesn't change a shit. Dalil? Je pense que c'est un bon choix pour les deux équipes. Je pense que c'est Cav, mais le, ce qui s'est passé avec Deontay Johnson, le, le tape de lui qui ne veut pas bloquer, le reste de la NFL a vu ça aussi. Fait que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui, vou qui voulaient, en tout cas pas de contender qui le voulait. Mm. Puis Je pense que pour les Panthers ils sont désespérés pour un wide receiver. Ton meilleur wide receiver, c'est Adam Thielen, à genre 35 ans. Il mm. so, faut, faut que tu aies un petit peu de talent pour développer Bryce Young. Mais euh, un, moi un, pour moi, personnellement, c'est un lose-lose pour les deux parce que le wide s'en va dans la pire équipe de la NFL. Puis la pire équipe de la NFL ne pourra pas faire paraître Deontay Johnson comme un stud. C'est un lose-lose. Mais, that's it. D'accord, okay, Expenty. J'ai rien à rajouter là-dessus. C'est un lose-lose. Pour moi, c'est une perte de temps. Casage, euh, tu connais Deontay Johnson? There you go. All right, Zach, uh, next one: Zach Moss aux Bengals. Excuse-moi, j'ai ne un un. Aaron Jones aux Vikings. Bon choix, mauvais choix. Je ne vais... change rien, je vais laisser le fan des Vikings, Jalil. Vas-y. Bon choix. Juste un bon, bon choix simple. Ils vont drafter un QB. Tu as besoin d'un running game. Tu as laissé Dalvin Cook partir il y a deux ans. Il faut que tu le remplaces. C'est un contrat d'un an. Tu n'as rien à perdre. Puis encore une fois, Aaron Jones va être motivé contre les Packers. We like that. Parfait. J'avais oublié que c'est des rivals. Euh... C'est un bon choix pour Aaron Jones, c'est un bon choix pour les Vikings. Madison t'a montré que c'était pas vraiment un running back one. Non. Donc, so, t'as besoin d'un running back one, puis t'as besoin de Draft and Le Je avec ça, ça commence à prouver l'année passée que c'était un très bon running back. Aaron... Euh, non, non. Aaron Jones. Euh, je, je, Aaron Jones, c'est un très bon running back. Il euh, a, a pris des upset, il a très très bien joué. Donc, moi, je pense que c'est un très, très 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 bon choix. Dude, honnêtement, sa fin de saison, quand il est venu de sa blessure, là. Dude, le monde réalise pas à quel point c'est ça qui. Oui, Jordan Love avait l'air bon, mais Dude, il était en feu était pour en les Packers en fin de il saison. Il était en feu, là. Mais dude, il a marché il... sur les Cowboys, là. Si, si tu peux avoir la même O-line que Darville Cook avait, le trois 3, 3 ans, la, le même scheme, Aaron Jones va yep. bump. Mais si c'est la O-line que Madison avait, mon gars, ça va être tough pour Aaron Jones. Oh, exact. Il faut qu'il se pène un petit peu de draft capital dans le middle de la O-line, c'est oh, sûr. Oui, absolument. All right, Zach Moss aux Bengals. Bon choix, mauvais choix. Ça change rien. Euh, moi, je pense que c'est un bon choix. Zach Moss, c'était un, un très bon second running back. qui faisait les vers que je faire. C'est une bonne petite machine. Donc, euh, au bingo, ça va juste rajouter un peu plus d'options et, et moins de weight sur Joe Burrow. Jalil? Ben, tu vois, moi, c'est exactement la raison pourquoi j'aime ça. C'est la raison que je n'aimais pas ce que les Eagles ont fait. Avec Zach Moss, c'était 80% de la production de Joe Mixon pour 50% du, du prix. So, I love it. Moi, ça ne change rien. Sincèrement. Que ce soit Joe Mixon, que ce soit Zach Moss, que ce soit Aaron Jones, que ce soit Shekon Barkley qui va aux Bengals, il ne court pas tant la balle que ça. C'est un a very high passing game avec Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd, Pilar Tadden. So, les running backs n'ont pas tant le ballon que ça. C'est déjà un split back. So, ça ne change rien. T'économises But... d'argent. Exact. Nice. Yeah. Austin Eckler aux commanders. Bon choix, mauvais bon choix, on change rien. Jalil Ça, c'est un change rien pour moi. Parce que. Il finit. Autant, autant, autant c'est l'opposé. J'ai dit l'opposé pour les Vikings. Tu veux un running game pour un jeune QB. Austin Eckler, c'est un third down back à statistique de sa carrière. Euh, mm -hmm. Fait que tu penses pas que c'est ça qui va aider un jeune QB. Il Puis comme, en fait plus de ça, leur all-line est. Le all-line, tu penses que la Vikings ont une mauvaise all-line. Attends mm -hmm. de voir ça des Commanders, là. c'est rough. Là. Mm -hmm. True, true. Mais Ecler e pick up les blitz quand même bien. Moi, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que il euh, y a un mauvais choix pour le parce qu'il s'en va dans une trash team, oh. Mais yeah. c'est un bon choix pour Ecler parce qu'il get a bag. C'est doux. Moi, il n'y a pas le choix d'aller là parce que personne ne voulait le. Tout le monde sait, moi qui le football, dont les coachs aussi savent que le est terminé. Donc, comme tu as dit, là, un, un, petit, un, un petit présence de vétéran dans le locker room. C'est yeah. ça qu'ils ont besoin. Yeah. Du, du, un vétéran. Yeah. Euh, je, euh, je prends lui, Jerry Judy au Browns. Bon choix ou mauvais choix Ça change rien. Bon choix. Bon choix. Dalil Ça change absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Je sais pas quand tu dis bon choix pour vrai. Les gars n'ont pas de QB pour lui donner le ballon. Hey yo Joe Flacco à 75 millions d'années a été capable de faire de quoi avec ces wide receivers-là on met un plus, peut-être ça va wake up Deshaun Watson à mon avis. Deshaun Watson est terminé, malheureusement les gens n'ont pas compris. Euh, it is what it is mais ça ne change absolument rien. Le gars a juste moins de stats, puis là je pense que Jerry Judy va à la, à la fin de sa carrière mais à la fin de son hype à cause de ça. Moi, moi je te bête moi je te bête que Deshaun Watson puis Jerry Judy ont pu un contrat de l'NFL après leur stint avec les Browns. Les deux, pas juste un, yes. les deux. Yes. Parce que Jerry et Julie aussi. Yes, euh... yes, yes. Les deux. To the gutter. To the mud. <laughs> All right. Là, on va aller dans des, dans des affaires un peu plus euh, upsetting. Premièrement, Chargers veut, veut faire un nettoyage. Ah, ils l'ont fait. Ils l'ont fait tantôt. Hein? Ils ont, Donc, euh, Bossa et Mac, Mac sont partis? Laisse-moi finir. Ils ont, bye bye. Ils, ont, ils ont release Mike Williams. Puis ils, ont, ils vont restructurer le contrat Khalil Mack. Que tout ça marche. ça aussi? ça il n'allait jamais release Bossa. T'es fou, toi? Non, non, non. Il n'y avait aucune chance qu'il release Bossa. C'était Mike Williams qui allait release 100% ouais. parce que tu ne release pas Kenan Allen. Puis euh, Khalil Mack a accepté de restructurer son. Est-ce que c'est un impact négatif pour les Chargers, ce move-là, ou non? Jalil? Ben écoute, le, là, c'est en train de me dire que les deux n'ont pas été released. Moi, je trouve que c'est ça l'erreur. T'aurais dû les release. T'as les deux Defensive end les plus... Ben, Defensive slash outside linebacker les plus overpaid de l'NFL. Un. Les deux. Un. Les deux. Collier-Mack, il vient d'avoir il... sa... Sa... sa première bonne saison en cinq ans. Là. Oui, mais car... Khalil mack je t'enlève te... pas. Collier-Mack est way, way overpaid. Mais Bosa, tu peux il... pas il... dire ben, Bo Bosa aussi. Bosa, he's always on the sideline. Je, paye... je te paye pas 35 millions par année pour jouer cinq games dans la saison, là. D'accord avec monsieur là. Moi, 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 c'est ça le monsieur, problème. Moi, je pense, écoute, monsieur. là, les, 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 les Chargers, oui. les chargers ont, 30 ont 30 millions ou plus d'investis dans chacun de ses joueurs individuels. Oui. Bosa, Mac, Keenan Allen, et Mike Williams. Pis, t t pis Mike Williams. Là, tu as release Mike Williams. Écoute, là, il va falloir que tu payes Justin Herbert à un moment donné. Là, va falloir que tu donnes le, 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 le big, big bag. Pis... Pourquoi? Pour perdre? Arrête là. Je vais être balade avec toi. Non, moi, je pense que. Le, non, Justin Herbert, je pense qu'il a tout un talent. Il a pas été chanceux. Pas. Dude, les Chargers, c'est une joke comme organisation. Dans les deux, ils overpay Puis, Harbaugh, pour moi, Harbaugh est un quarter. Comme je dis. Si, avec Harbaugh, avec ce qu'il a fait avec Smith et Kaepernick. T'as raison. J'ai du hype pour lui. Je m'excuse. T'as raison parce que c'est pas. Ils ont changé de coach. C'est pas, pas oublié. Oui, oui. C ils ont changé de coach. Et puis, c'est pas la faute de Justin parce qu'il faisait des points. Il y a juste une game, une game dans la saison qui a fait pas beaucoup de points. C'est juste une game. Sauf so, je veux pas le lui, 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 lui euh, le blâmer c'est vraiment la défensive donc tu as raison les deux D-Line... ah Il... oh ouais puis ils avaient oh. aussi dépensé cet argent pour... ils ont pas dépensé le plus d'argent pour un corner JC jackson qui ont dû release la même saison de l'organisation là ils spendent l'argent comme des oh. petits pains chauds puis ils s'en foutent les autres sont au casino là puis ils s'en foutent s'ils perdent leur maison yo swipe la carte <laughs> donc don't get me wrong cette cette organisation là est mal gérée de haut en bas mais tu ne releases pas Kenan allen tu ne le release pas, Bosa. I'm <laughs> sorry. Bosa, tu peux le release, mon gars. I'm sorry. Non. Je suis d'accord pour Keen Allen. Pas... Moi, Bossa, j'en ai assez vu. J'étais un petit peu d'accord avec toi il y a comme un an ou deux. Là, je suis la vie. Je peux. Bossa avec Sidena. You can rester on the field. Là, il faut donner la news au de son frère, puis ils vont s'amuser ensemble. Per Perdre la finale de conférence. Ok, oh, au moins un reboss run. All right. L'autre <laughs> upset. Michael Thomas a été release des Saints. Saints. Êtes-vous surpris? Non. Merci. Oh. Guys, le gars ne joue plus au football depuis les quatre dernières années. Il a décidé de. Il a pris sa retraite avec Drew Breeze, bro. <laughs> de, depuis que Drew Breeze est parti, il a décidé de sell out son. Ben, sell out. Il a yeah. C. Il a, a sell out son contract. Je je suis pas surpris qu'il l'on release, bro. Tu, tu peux pas avoir un talent comme ça, un wide receiver one comme ça, sur ton payroll qui ne joue pas autant de games que ça. Ça fait aucun sens. Je suis même plus sûr s'il si joue encore au football, comme ah, pratiquer encore. T'inquiète, il va revenir. Non, le gars allait au gym seulement. On va arrêter. On va arrêter. Le gars allait au gym seulement, et puis that's il, il, il va come back, inquiète-toi pas pour ça. Mais les Saints... Puis, écoute, moi, moi, je suis même d'opinion, personnellement, que Michael Williams était même overrated quand il jouait. Oui. Slightly overrated, mais je trouvais qu'il était un petit peu overrated quand il jouait. Mais Michael Thomas n'est pas overrated. Michael Thomas is a bona fide wide receiver one dans la Ligue. Il va aller dans n'importe quel team puis faire cette offense-là meilleure. Je sais pas, je l'ai pas vu jouer depuis 4 ans. Voilà, moi non plus. Tu sais, j'allais dire. Bro, les débuts ont changé, là. Non, non, non. Les débuts ont changé. C'est pas le même début, là, devant toi, Simon Si mon boy Misogod était là aujourd'hui. maintenant, tu sais même pas, bro. Tu penses que Misogod aurait dit la même chose que nous. Get this guy out of the roster. Pour les Saints, parce que lui, c'est un Saints fan, il veut se départir de Michael Thomas, mais tu sais qu'est-ce que Michael Thomas amène. Il y a plus de 4 ans. Maintenant, le gars, je te le dis, il n'a pas couru un route depuis les 4 dernières années. Ça fait un an et demi qu'il n'a pas joué. Michael Thomas va donner autant à la prochaine équipe que Julio Jones a donné aux Eagles. Non. Straight up. Michael Thomas va donner autant à sa prochaine équipe que Julio Jones a donné aux Eagles. Non. Oui, c'est pas pour rien dire qu'au Julio Jones. Julio Jones est un des meilleurs receveurs de sa génération. Mais c'est dude, Father Time is undefeated. Merci. je te dis, les gars, là, au gym, il y a Bench. Il a fait des, des box jumps, il a fait des squats, des lunges, mais il n'a pas couru un route depuis les quatre dernières années. Bro, <laughs> show mets le stats, show mets le stats. Depuis, depuis 2019, depuis 2019, il n'a pas joué. Merci. Thank you. C'est une bonne décision d'avoir release personnellement. Je pense que, qu'est-ce que vous m'avez décrit comme joueur, c'est Ben Simmons de la NFL. Non, Non 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 non. Non non non. non, que c'est un gars non. qui se fait payer à ne pas jouer. Non, oui, 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 oui. Yep. Ce n'est pas le Ben Simmons de la NFL je, parle, que, je, parles, je parle pas de talent, parle... Ben Simmons n'a jamais rien fait dans la NBA. Oh. Michael Thomas a prouvé que c'était un wide receiver one à plusieurs années. Non, Ben Simmons a fell off. Mais il non, a pas été un non, avant qu'il non, l'off. Ben Simmons était un bomb quand il est rentré dans la NBA. Il restait un bomb jusqu'à la fin de sa carrière. C'est un, un top 5 pick. C'est un, un, un top 5 pick. Comment c'est un bomb? Tu peux être un bomb et être un top 5 pick en même temps? Merci, merci. Pourquoi? On, on le comparait à Lebron James au début? Pa parce qu'il a été top 5 pick et qu'il a rien fait dans l'NBA, ça le met dans le bomb category. Michael Thomas t'a <laughs> prouvé qu'il était wide receiver one, qu'il était capable de cash et TD, Playoff, irregular season. Don't get me, don't get me started. Ce n'est pas okay, le. Ben's ok, okay. De Je te te dites pourquoi oui, je pense lui, que Michael Thomas ça, est overrated? Même quand il jouait. Même Ça, quand il jouait, là, regarde, le tu tape. Tu va, voir le tape. va voir le tape de ses highlights, Frank. Euh, le gars, il s'est fait un route. It's called a slant. That's it, that's all. You know I'm right. It's the quick slant. Fab... Tu le sais, Drew Brees, that's all it Hitchin was. Quick flank, quick flank. C'est le meilleur roi de la ligue. Justin Jefferson fait quoi, c'est le meilleur roi de la ligue. Tyreek Hill, c'est quoi? Justin Jefferson s'est fait tout le round 3. Justin Jefferson can play all the route three. Please, please, put some respect on the name of 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 the. Of all those superstar wives il, il, il est où il est où Nikki quand j'ai besoin de Nikki. Mizogat n'est pas là pour vous te, dis <rire> vous <rire> êtes, pour vous te vous sauver vous êtes disrespectful vous êtes disrespectful avec Michael Thomas Michael Thomas a pas joué depuis 2019 je, je vous enlève, Regard, pas fait, je enlève pas le fait je t'enlève pas le fait qu'il a pas joué depuis 4 ans Parfait. je t'enlève le fait que tu dis qu'il n'a rien fait dans l'NFL puis que tu le compares à Ben Simmons même chose fou. Parce que c'est payé à rester sur le banc. Bon. Ben est arrivé. Okay, mais il ne comprend pas le joueur. Il compare pas le joueur. Il compare la situation. Oui, voilà. merci, hey, Jalil. Ce n'est pas, pas pas en toute la même situation. Parce que Michael Thomas t'a donné cinq bonnes années avant qu'il commence à faire. You know what? Goobies is out. I ain't gonna play because I don't have a QB since the past four yeah, years. Pa pendant deux, trois ans, pendant deux, trois ans, le monde débattait si Joel Embiid ou Ben Simmons était meilleur pour les 76ers et sur qui il devrait su surround la team. And Lord Ils ont fini Jones, Lord dans, like, MB, ouais, par prendre la bonne décision en allant avec Embiid. Mais pendant 2-3 ans, c'était un débat. Who should we, should we build the, the team around? Simmons or Embiid? Le gars t'a donné des 1000, 1500, 1600 verges par année, des 10 TD par année. Don't get me started. Il n'est pas comparable à Ben Simmons. Et guess what? Ben Qu Simmons n'était même pas un all-star. Et guess what? Quand vous voulez build le team autour de He Thomas, was. Thomas a dit ciao, bye. Quand on dit qu'on oh, a Joubi... Thomas comme White, Quand on... Juvie est parti, Thomas a fait ciao bye. bye. Mais et, ça prouve que le patinet. C'est vrai, c'est vrai. Les deux ont signé un contrat, puis c'est ça, c'était ciao bye. Ciao J'ai mal au dos. Juvie <laughs> est parti, Michael Thomas est parti. Donc, on n'est pas surpris. Bon, euh, là, c'est un sujet hors football, plus social. Les fans qui ont, part qui ont participé à la Game Chief contre Miami, certains d'entre eux ont dû se faire amputer les orteils. Donc, est-ce que c'était moralement ou éthique de faire jouer les joueurs dans une telle température? Jalil, je te laisse y aller, les gars. Après Jalil. Vas-y. Non, bro, non, bro. Moi déjà, j'ai critiqué que l'NFL a reporté le match avec Buffalo avec la, la neige, le. le... Déjà It's football. C'est fait pour être joué dans des situations difficiles, dans des, dans, dans des, des températures difficiles. Puis c'est qui est la meilleure équipe cette journée-là? Pas demain quand il va faire beau aujourd'hui. Fait que moi, c'est comme ça que je vois ça. Puis pour les fans qui sont faits amputer, dude, c'était clairement des fans de Miami, là. Je peux pas croire que tu es quelqu'un qui habite la 400 City depuis 30 ans pis tu sais pas qu'il faut que tu t'habilles pour aller voir Merci un match de football. <laughs> fait. Fait que ça, ça, je suis pas bel... Tu blâmes, ouais, tu ouais, blâmes les, les fans pour pas être bien eux-mêmes. Puis pour les joueurs, les joueurs, dude, là, ça a pas l'air de les avoir dérangés. Puis si, dude, if, my, if the Miami Dolphins could show up and play, and they did, dude, c c pour moi, c'est correct, là. Nous, on a joué au football au Canada, nous autres. Là. Ouais, ouais, on... Ouais, ouais. on sait. Nous on sait. Nous, on sait. <laughs> Genre, au, au moment de cette game-là, je parlais avec euh, Eric. J'ai rappelé qu'on était allé voir la, la Coupe Grey euh, en 2000. C'était loin là. C'était la dernière Coupe Grey de Calvio et de Ben -Caun. Puis on l'avait gagné, puis il faisait genre moins 15, mon gars, genre début décembre. Je me rappelle pas quand, quand la coupe gris exactement quand ça joue. Il faisait froid. On est, je pense qu'on est même pas resté toute la game tellement qu'il faisait froid. Si tu sais que tu t'en vas voir une game dans le froid, bro, achète des hot pockets, <laughs> achète des gants, achète un nouveau manteau, <laughs> achète des salopettes, achète des bottes. Prépare-toi parce que tu t'en vas voir une game à moins 27. C'est pas mon problème. T'as payé, tu veux être <laughs> Merci. là. T t Écoute, pour vrai, j'approuve tout ce que ça a dit. Euh, Habitons en conséquence de la température. Nous on savait qu'on allait club, on allait manger à fil longtemps. <rire> <rire> so, on n'allait pas avec des sneakers, tu comprends? A avertissement. Avertissement aux gens qui achètent des billets de l'impact pour euh, voir Messi euh, et, ou. Hein, là, je sais pas c'est quand la game contre Miami. Prépare-toi à payer 600$ pour peut-être pas voir Messi. Ouais, en plus, parce que ça. Moi j'allais dire c'est si si Messi joue, bro. <rire> so, <rire> pourquoi il est blessé? Non, non, ça se peut, ça se peut juste qu'il ne qu joue pas cette game-là. Il n'a pas joué le dernier match contre l'Impact, justement. Il n'a pas joué contre eux. Il a, il a parce qu'il jouait pour contre Mais c'était à Miami, ça, si je m'en calisse. Mais tu vas payer 600$ pour peut-être aller voir Messi jouer, puis fort probablement, le gars va citer. So, Sol tu t'es un fan, paye pour un billet, tu sais pas qu'est-ce que tu vas avoir cette journée-là. All right, moi, je n'ai rien à rajouter. Tu tout dit. Donc, c'était la fin de la section NFL. On avait dit qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées. Là, on va aller avec un petit update de Champions League avec Spenty. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. J'ai manqué, malheureusement. ben pas manqué. À part pour Arsenal, que je suis bien content de des Oui, t'es le... content. Tout le reste, j'ai pas vraiment euh, regardé. On va faire un petit update NHL avec euh, Jalil et Spenty. Et puis après ça, that's it. All right, vas-y. On va y aller real quick. On va commencer avec la journée d'hier. C'est Napoli contre Barça. Moi, j'espérais que Napoli passe. Malheureusement... Euh se sont mis à dormir les 20 premières minutes. Ils perdaient déjà 2-0. Quasiment fait un comeback. Théoriquement, moi, je pense qu'il aurait dû avoir un penalty sur Oshiman. Il manquait beaucoup de chance. Je ne vais pas dire que Barcelone a rig les refs, mais le penalty que j'ai vu, 100% qu'il n'y avait pas de VAR, c'est un petit peu foulé pour moi. Euh, Napoléon a fini par perdre 3-1, 4-2 en aggregates. Barcelone passe. Arsenal contre Porto, c'est la game que j'ai. Arsenal a gagné en tir de barrage. Par la peau des fesses. Parce que Porto, sincèrement, aurait dû battre Arsenal. Je sais pas si vous avez vu les Aujourd'hui, Dortmund a facilement battu PSV. On s'attendait à ça. La game qu'on attendait, c'était Inter Milan contre atlético Madrid. La saison historique d'Inter Milan. Premièrement dans la Champions League. 5, perdu en tir de barrage contre l'Atletico. Une autre chose que je vais regretter, c'est la mentalité italienne de jouer super défensif quand on a le lead. Ça nous a encore fight in the ass. That's it, man. Atletico a passé, Dortmund a passé, Arsa a passé, Arsenal a passé, Manchester City a passé, Madrid a passé. PSG et Bayern, mon pote. À part Atletico, t'attendais pas mal à ce résultat-là. À part Atletico puis Barça, on s'attendait. Parfait. Maintenant, NHL. Euh, y a-tu des updates? Là, le trade deadline. Bon, merci. Là, on l'a échangé, ton goleur. On l'a échangé, mon goleur! On a échangé, Jake Allen. Pourquoi? On a échangé, Jake Allen, <laughs> puis Kaden Primo a fait un shout-out après. Et puis what about Josh Henderson? Oh, tout le reste, il y a des. Back-to back, back shutouts. Ouais, on ne on sait rien. On n'a rien d'autre. On a rien changé d'autre. On a vraiment juste échangé Jake Allen. Au sérieux? Ouais. Ben en fait, on a échangé de Sean Monahan en mi-saison qui nous a donné un first-round pick. A, ça, c'est un, un excellent bien. move parce que d'après moi, parce que ce qui est arrivé au trade deadline, c'est qu'on dirait que la, les GM commençaient à être hésitants à payer le prix. Puis le, le, le prix baissait. Donc je te garantis que Sean Monahan, tu l'échangeais au trade Deadline, tu ne pas un first-round pick. Fait pour Kent Hughes, c est, c est pris il pris d'avance. Puis il a attaqué ça. Parce que je regarde le monde qui sont partis pour des joueurs moins bons que Sean, de, meilleurs que Sean Manahan pour moins que des first round picks. J'étais comme, ok. Ben, c'est exactement ça que j'allais dire. La vraie action a commencé le jour d'avant, je pense, avec Hurtle uh, qui s'est fait échanger. Uh, Vegas qui wow, a ouais, cherché yeah. plein de joueurs. Mais, Quand Vegas, tu cherché tout le monde, c'est wow, ça. Euh, c'est <laughs> euh, Mais on est allé chercher un choix conditionnel de troisième round pour l'instant. Devils, right? Yep. La condition, c'est que si Jake Allen joue plus que 40 games l'année prochaine, ça devient un choix de deuxième ronde. Au total, en fait. Donc, cette année et l'année prochaine, together. Il y a des bonnes chances parce que du je ne pas de fait Il y a des bonnes chances qu'il joue 40 games. On a finalement donné notre troisième goaler que tu voulais tant de tes Oui. Quand même un bon stackpot. Ah, ouais, écoute, ma seule déception, c'est qu'ils n'ont pas échangé Savard. J'aurais aimé que Savard se fasse échanger aussi. Pourquoi? Je pense qu'il voulait un first puis le monde. Parce que c'est. un bon défenseur, bon défenseur puis c'est un défenseur droitier. Fait que ça, ça a énormément de valeur. Un pis son, son âge match pas où l'équipe est présentement. Fait qu'il était mieux de donner un contender. Je pense que t'aurais pu avoir un first-round pick facile pour lui, puis c'est un défenseur droitier en plus. C'est plus dur à trouver qu'un gaucher. Ouais. Euh, fait que je suis un petit peu déçu de ça. Je pense que tu aurais pu chercher un autre first avec Savard, mais. Pas la fin du monde. Je vais, dire, je vais te dire pourquoi, moi personnellement, pourquoi je pense qu'ils n'ont pas fait. Parce que ils sont pas tant loin de faire les playoffs. Ils sont à peut-être l'année prochaine ou l'autre année d'après de faire les playoffs. Et tu aurais peut-être besoin d'un gars comme Savard dans ton team quand tu sois 30. est vraiment pas loin. comme non, non, je suis d'accord. Moi aussi, je n'aurais suis... pas de dire au monde à Toronto qui me pose des questions sur Montréal. Je suis comme, I think we're one year away. I think we're one year away, sincèrement. Ouais. Tu sais. Moi, si tu prends le Game peut-être que tu fais les playoffs l'année prochaine, tu as besoin d'un gars comme Savard. Ça, ça. Tu ne vas pas aller te départir d'un football. Tu prendre un gars comme Savard quand tu l'as déjà. Donc, euh, on va voir, man. Nos jeunes s'en viennent. On a des, des prospects en offense qui s'en viennent. Des prospects en défense qui s'en viennent. Oh, un... C'est d'ailleurs aussi pour ça que j'aurais aimé... C'est pas que j'aime pas avoir Savard dans le line-up. C'est que je trouve qu'il faut, à un moment donné, il va falloir qu'on free up du space pour ces jeunes défenseurs parce qu'il faut qu'ils prennent du temps de glace. On a énormément, je pense qu'on a le meilleur corps de, de prospect en défense de toute la ligue. Sincèrement, là, notre corps de défenseurs est, est écœurant. Mais il faut leur donner du space. Tu là Lane Hudson, il fait l'équipe l'année prochaine. Je ne peux pas ouais, croire qu'il a fait pas. Il devrait faire l'équipe l'année prochaine. Tu sais, euh, exact. Il y, y en a plein. Il y en a, a plein. Puis je pense aussi, la raison pourquoi il n'a pas bougé, honnêtement, de ce que j'ai entendu, j'ai un petit peu d'inside ici, là, Toronto était all sur sa barre Pis je pense que Montréal était comme, ah, va falloir tu payes deux fois le prix ouais, du voisin, si toi tu veux l'avoir, <laughs> tu Fait que je pense que c'est ça qui est arrivé parce que Toronto était désespéré pour un défenseur droitier, pis gars, même là, ils n'ont pas réussi à en pogner un. Ils ont dû pogner, deux, ils ont dû pour un gaucher avec Edmondson. Puis vu que t'es à Toronto, c'est quoi les hopes que tu dans, à Toronto? T'habites là, étudies à Toronto. Eux sont high. Moi, alors, je... je sais qu'ils sont high, là, mais ça va crash down pas mal vite. Euh, ben en fait, cette année, je pense que la, cette année, c'était vraiment l'année la plus bizarre parce que c'est là vraiment où je pense que les fans de Toronto étaient comme done. Tu sais, comme genre I'm, I'm done with it, puis euh, « euh, ils nous emmèneront nulle part, pis a rien qui va se passer. Puis on dirait ce qui a changé ça, puis je peux pas les blâmer, c'est Matthews qui est en pace pour 70 buts. Ça, là, ça les a ça les a rally back in, là. puis « Oh my goodness, we have the best goal scorer on the planet, blah blah blah. MVP. Tu sais, mais c'est parce qu'on sait tous que Matthew, sa performance en série a tout le temps baissé comparé à en saison. Contrairement oh, à McKinnon, wow. qui augmente sa performance. Fait que euh, là, je pense que je suis content que ça arrive parce que moi, je suis comme Stephen A. Smith avec les Cowboys. Like, the higher they are, the lower the crash. J'adore ça. They're going lose against Florida and, uh, and Boston. Parce que pour moi, comme je pense qu'ils sont une pire équipe cette année qu'ils l'étaient l'année passée. Leur défense fait dur. Oui. Euh, vraiment, oui. elle fait... Oui. La, la, la défense fait dur. L'année prochaine, l'équipe va être encore pire encore parce que le contre-Nylander a, a 11.5 en bas. Fait que là, t'as quatre joueurs qui font au-dessus de 11.5 l'année prochaine. T'auras zéro cap space. Puis j'ai ça juste ici, là. Dude, l'année prochaine, là, Toronto ont leur first round pick. Puis après ça, ils ont pas de choix de repêchage jusqu'en septième ronde. L'année d'après, ils ont pas de choix de repêchage en part leur choix de sixième ronde. Pour no first, no second, no third, no fourth pour les deux prochaines années. All in, right ils ont, sont all-in right now. Ils sont all-in right now. Puis, ils avaient tellement de podcast cap space. Écoute, Laurent, ils ont échangé six draft picks cette année pour Joel Edmondson puis euh, euh, Libushkin. Ça, c'est deux défenseurs que tu même pas sûr fait fais ton line-up quand tu es 100% healthy. Bon, voilà. Tu as ah, spend six, six, six draft picks là-dessus. Edmondson, Edmondson, Edmondson fait ton third, euh, third, third pairing facile. facile. Il fait ton third pairing facile, mais le problème, c'est qu'ils ont, ont genre 7 gauchers sur 8 oh, défenseurs. Uh, il rendu là, il est what it is. Ils sont dans un cap oh, yeah. aussi. Yeah, yeah. Fait que, puis l'année prochaine, ça va être juste, comme je te dis, ça va être encore pire l'année prochaine. Parce que cette année, Nylan 2, c'est 4, mais Nylan 2, c'est un bargain cette année. Là. Il fait genre 6,5 millions, puis il est en pace pour 100 points. L'année prochaine, tu le dis Puis ils ne vont même pas pouvoir jump là-dessus. Euh, avant avant qu'on finisse, j'avais une petite rumeur que j'ai vue euh, sur les réseaux sociaux toute la semaine. Crosby. Montréal, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'aimerais ça. Moi, j'aimerais ça parce que Crosby, là, il est en fin de carrière. je sais que le monde en fin de carrière, mais Crosby, à l'âge qu'il joue aujourd'hui, il joue encore au-dessus de son contrat, right now. À 36-37 ans, il joue, il outperforme son contract. Il est insane. Crosby, je pense qu'on lui donne. On oublie à quel point il est extraordinaire. J'espère que t'as vu les rumeurs de Crosby à Montréal un peu. Oui, 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 parce que écoute Pittsburgh, parce que écoute, je pense j'ai pas de doute que Crosby veut finir sa carrière à Pittsburgh, mais en même temps c'est un compétiteur, puis je pense que personne ne voyait que Pittsburgh être aussi mauvais qu'ils sont cette année. C'est la première année où vraiment ils pensent trade Crosby, parce qu'ils ont tout le temps été dans le, même quand ils faisaient pas les séries ils étaient dans le bubble. Et quand as Crosby tu te dis hey si on fait les séries juste en huitième, on a une chance. Puis c'est vrai. Là là, obi sont vraiment out, puis Crosby il a un no trade clause, fait que je pense sincèrement Crosby il lève pas sa autre no trade clause pour aucune autre équipe que Montréal. Parce que Montréal, ça a été son équipe d'enfance. Il, il, il a joué pour l'Océane, euh, juste Océane à côté. Arimouski. Euh, ben oui, ouais, fait que euh, Fait je pense que c'est ça, la seule. Sinon, il finit sa carrière à Pittsburgh. Ouais. Puis. Ouais. Comme deuxième, deuxième scèneur, mon gars, deuxième, troisième scèneur, je prends Crosby any day of the week. Absolument. Any day of the oui. week. Any day, day of the week. Dude, puis, 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 puis ton one-two punch là, de Suzuki, Crosby, c'est oh, oh, parfait. Sale. Là. Tout, puis tout, ça, c'est un one-two punch tout. en plus qui joue. Toute la oui, glace. Oui. La, la glace, glace en défense et la glace à l'attaque. Yeah. C'est ça qui est beau de tout ça. Il gagne des face-offs, il est smart, bro. Moi, Crosby, any day of the week, tu viennes à Montréal, t'es la bienvenue. Ah ouais, puis parlant, parlant de, 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 draft pick, Montréal ont draft Capello pour pas Crosby. Montréal ont deux first rounds, ils ont deux first rounds l'année prochaine, deux first rounds l'année d'après. Ils ont un first round, un second round cette, euh, cette année, deux second rounds l'année d'après. Ils ont deux third rounds cette année, trois third rounds l'année prochaine. de Montréal, là, sont loadés en, en Capello. capital. Donne-en, mon gars, amène-les. Euh, oui, gros, là, On a quatre first round picks dans les deux prochaines années. Donne-en deux, Esty, pour Crosby. Ouais. Je vais le faire, là. No problem, là. That's it. D'accord avec toi. Donc, euh, non, moi, j'aime bien Good ça. Good take. Mais. On verra durant l'off-season parce que ça, trade de night, c'est fini. Ah, ouais. Fait qu'on va voir ce qu'il va passer l'off-season. Puis c'est Carl Dubus. Carl Dubus, c'est pas la plus grosse lumière d'après moi. C'est lui qui a built les Leafs puis ça paraît. Fait qu'on va voir. Regardez, yeah, sont... mm -hmm. pour moi, quand il a essayé Carlson, c'était un massive ouais, ça, mistake. Ça se peut qu'on qu aille Crosby pour un first round puis une coupe de seconde. Ah, <laughs> exact, là. Tu sais. Ben, le gars, le gars a trade un first round pour Marcus Foligno, back oh, in okay. the days avec Toronto. En tout cas, moi, on est d'accord. Dubus, c'est un retard. Oh, yeah, big time. Big time. Il right, y a notre âge qui est JN dans la NHL. Il y a un problème. Il ah, y a un problème. <laughs> All right, guys. All right, guys. On va terminer là-dessus. Euh, merci encore, Chalet, d'être venu, d'avoir été patient. Merci d'être venu, au pod. Toujours, t'amènes toujours une bonne énergie, encore beaucoup de stats, beaucoup de knowledge. On aime ça te recevoir. On va sûrement se catch euh, via les, les playoffs euh, des, de la NBA parce que tu es CRT, que c'est avec ton take sur Porzingis. I am a Raptors fan. Stop putting me with the Celtics. But it's a big shout to the end of the season. Jokic and Jamal Murray. Mais, uh, just, just, just pour être dans détail. Come on, you all laughed at my Celtics prediction. You all laughed at my is gonna be a stud. Yes. Where are we now? Yes, yes. On te l'a donné. <laughs> on te l'a donné le shout. On te l'a donné. Relax. <laughs> Relax. On est pas encore rentré en playoff. Relax. Ah, ok, ok. C'est vrai, c'est vrai. Il faut encore attendre de voir les Bucks faire upset en first round, c'est vrai. Ouf. Les Bucks? Les Bucks, ils perdent. <laughs> les Celtics, ça oui. oui, oui. upset. Oui, 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 oui. All right, sur ce, guys, merci <laughs> de nous écouter. Encore un Jalil de, de la Spenty Casa. Like, share, subscribe.